Eh ben, ça va aller 13. Oui, mais je veux dire, vous me comprenez. Pas vraiment. Allez-y. Non, mais tout autour de la case prison, j'en ai marre. C'est pas une prison, monsieur, c'est une cellule. Bah, tout autour de la case cellule. Ça va pas durer longtemps. Bon, tu démenottes, tu enlèves téléphone, radio, s'en a une, ceinture, lacet. Mais tiens. Tout ça, tout ouais, ça. Bon. J'ai pas de ceinture, j'ai pas de lacet. Ma bite, elle tient mon jog. Parfait. Bah super! Mais. C'est bon, elle reste sur lui, rien d'illégal. Vous me laissez pas tout seul, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment clean. Carte d'identité, y'a pas de soucis. Bon, de toute façon, vous me connaissez. Et tout le porte-monnaie aussi avec. Non, je crois vous connaître, mais bon, on sait jamais. Bien sûr que si, tu me connais. Ah oui, c'est bon. Monsieur Eddie Bizo. Ok, ok, parfait. Donc, c'est ça, Bizo. Merci. De quoi? Pardon? Je peux remonter, je m'en occupe. Ok, ça marche. Bon, monsieur Bizo, vous voulez parler du coup? Je vous écoute. Bah, c'est pour passer le temps, s'il te plaît. Passer le temps? Oui, bah en fait, bien, vous savoir, passé... hier t'étais super gentil avec moi. Je suis toujours super gentil, j'aurais pu vous coller un petit 1000$ d'amende, mais je vais pas vous coller 1000$ d'amende. Je suis gentil. C'est vrai, c'est vrai. Non, porte du casque. Non, par contre, tu peux m'expliquer pour le casque. Regarde mes cheveux. En fait, si tu mets le casque, c'est mort. Ça nique toute ma coupe. Ouais. Et vu que c'est un beau gosse, je veux rester beau gosse. Ouais, mais bon, la sécurité, avant tout. Non, mais moi, j'ai la tête dure, hein, t'inquiète. Vous avez la tête dure, d'accord. Bon, monsieur Bidou. Tu peux me tutoyer, hein. Non, ça va aller. On va pas en arriver là. Je suis gentil. Et tu veux. Oui.
je vais aller boire un petit coup d'eau en haut, un petit gobelet d'eau, et je reviens vous libérer. De l'eau. D'accord. Ouais, de l'eau. Pas de soucis, je t'attends. Allez, merci beaucoup, code 28. Non, moi c'est pas 28. Hein. 69. Sergent. Ah, comme là, ok. D'accord. Et voilà. C'est vraiment gentil, 69. Bon, allez, je vous la cellule. Suivez-moi. Ah, ça fait beau gosse. T'as peur de tomber sous mon charme. Négatif, je suis pas gay. Ah, chewing-gum. Paf, voilà. Il est enlevé. Il y en a partout ici, c'est casse-couille. Voilà. C'est comme la cellule, regarde, viens voir. L'autre fois, ouais. J'ai glissé. Regarde, il y a de la pisse partout encore. C'est dégueulasse. Ah, mais ouais, mais bon. J'ai glissé dessus l'autre fois. Ça. Ouais, c'est moi. Hop, récupérez vos affaires sur le bureau. Ah, bien sûr. Hop là, nickel, on peut y aller. Super, allez. En soi, pour le casque, faites attention. Oui, pas de soucis. Nous sommes les élus. Nous sommes maîtres des lieux. Ils nous craignent. Elle était une jeune américaine et se débrouillait seule dans son Montana natal. Mais elle aspirait à plus qu'une vie monotone et sans saveur. Inspirée par ses séries télé préférées, elle partit vivre à Los Santos pour suivre sa destinée. Devenir l'une des plus grandes flics de la Cité des Saints. Une patriote engagée pour traquer la criminalité. Une femme à double tranchant. Une justicière. Salut tout le monde, bonsoir à tous, c'est Poons, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis en train de défier mes lunettes. Bonsoir à toutes là. Confrérie. Alors, ce soir on fait du roleplay avec Lindsay Walker, mon personnage sur Restless. On va jouer à ça toute la soirée. Je sais pas jusqu'à quelle heure, mais tant que le RP nous portera, on jouera. Ah non, parce que demain j'ai un truc, donc ouais, mais je jouerai jusqu'à minuit au moins. Donc voilà, et j'arrête pas de rôter parce que j'ai bu du champomy et que je suis une grosse dégueulasse. Et sinon j'ai vu un message qui dit que le stream commence à 22h, mais non, il est 21h35. Mais si tu veux connaître en détail le jeu auquel je joue et mes horaires, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Discord, Instagram. Et mon bureau, il est cassé, là. Attends, il faut que je répare mon bureau, genre. Faudrait que je le casse, mais dans l'autre sens. Voilà, il est cassé dans l'autre sens, nickel. Ah.
Wow. Merci Mister Zedix pour ton Rick Seb en tier 3 des 20 mois de fidélité. 20 mois de Seb en tir à nos asexuels élites de la confrérie. Merci à toi mon cher Punzor. Merci pour le soutien, tu as des petits bras mais tu as le plus grand cœur. Par contre, je viens de voir un truc, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans le roleplay, non, mais j'ai pas fait gaffe parce que j'étais pas là. Loyal et fidèle serviteur. C'est dit quoi? Pour toutes les années à venir. Merci Urmars pour ton resubscribe entier, hein, il y a des 12 mois de Seb. Déjà un an d'allégeance à Supreme Leader, fier d'être un fier Punzor. Vive la confrérie! Merci à toi, je t'aime. Alors, j'avoue que je suis pas du tout dans mon roleplay. Et j'ai un truc gluant qui est sur ma souris, je sais pas ce que c'est. Attendez. Ah mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? J'ai un truc dégueulasse sur ma souris. Ça colle. Mais c'est quoi ça? Non mais c'est dégueulasse, je vais chercher un coton, je sais pas ce que c'est. Je reviens. À tout de suite. Ouais. Alors. Putain, j'ai l'impression que je suis à l'ouest. Hop. Alors. C'est bon, cette fois tout est prêt. Ok. Mais il s'est rien passé sur mon bureau, je sais pas pourquoi c'est gluant, j'ai dû... je sais pas. J'ai dû manger une cochonnerie. Est-ce que je suis bien sur le TS? Et par contre les gens je sais plus streamer, hein, je vous jure, et en ce moment je stream un peu moins et tout, je suis en mode yes life, je suis paumé, je ne sais plus streamer. Je sais pas trop RP mais ça ça ne change rien, j'ai jamais su. Enfin je vais mettre Jorat, c'est du champagne. Ah voilà. Alors, hop. Bah nickel. Hop. Lindsay Walker, prise de service 13, terminé. Bien pris. Ah. Merci du coup, Nook, pour les 100 cheers. Bonsoir à toi. Bisous à toi, Nook. Fier Punzor, merci pour les 100 cheers. Merci, Dogo, pour ta générosité. Mais Dogo, tu n'es pas le tyrannosaure sexuel. Et tu es trop grossier, d'ailleurs. Petite remarque en passant. 10-4, 13. 10-4 prenez un VL3. Et vous prenez l'appel que je vais faire. 10-4. Attendez, c'est bien sérieux dès le début et tout, faut que je sois fondant. Ouah, prenez un VL3 et vous tout, avez qu'est-ce pu que le prendre. 10-4. Ça marche pas. 10-5. Négatif. Alors dites pas 10-4. 10-4. Prenez-le là, c'est bien. Appel vous, prenez votre... vous prenez votre VL3, vous venez fi ça. Voilà. Avec un véhicule intact si possible. 10-4. Bon, c'est bien, on m'attrape direct. Je vais pas à me poser de questions sur mon roleplay quoi. VL3, c'est véhicule de police 3 non? Je crois que c'est ça non? Ça doit être ça non? Vas-y on bouge. Ouais, 6 km code 2 quoi. Oh, je sais plus jouer quoi. Merci Kelzaret sur les 200 cheers. Ce soir c'est moi le tyrannosaure sexuel, fier Punzor. Merci à toi et soyez en témoin mesdames et messieurs que Kelzaret est le tyrannosaure sexuel du live. Et vous savez justement je vais vous en parler un petit peu quand même parce que bah moi je vous parle un peu de ma vie tout ça quoi. En ce moment c'est vrai que je stream à un rythme qui est assez irrégulier. J'avoue que j'ai pas mal de choses en fait dans ma vie qui en ce moment... Il y a un mec qui conduit à l'envers quoi, on va faire comme si on l'a pas vu puisqu'on est appelé ailleurs mais...
Ou alors c'est full bug, je ne sais pas. Et du coup, j'ai moins l'occasion en fait de live. Et ça me fait du bien. Donc me jugez pas mal parce que pendant 3 ans, j'ai fait que streamer quasiment tous les jours, après-midi plus soir. Et j'avoue que depuis ce mois de janvier, vraiment, je fais d'autres trucs dans ma vie. J'ai redécouvert un petit peu ce que c'était le monde réel. Genre les trucs du monde réel, quoi. Ah, du coup, c'est pas forcément que je kiffe à mort et tout, le monde réel, c'est juste que... Je peux avoir des chaussures. Ça me fait grave du bien et que plus je suis heureuse dans ma vie à côté, plus mes streams ils sont cool et tout, quoi. Et c'est vrai que vous avez remarqué un petit peu que, à la fois sur SLS et sur mes lives en général, bon, je raconte ma vie, hein, mais je sais que vous kiffez, hein, ben, ça se voit que je kiffe plus, quoi. Mais je vais trouver un équilibre et tout, et vous inquiétez pas, on va... Madame 69, on a besoin... Enfin, on demande l'autorisation pour aller à l'aéroport pour encadrer la course de l'événement. On va, ouais, on va faire des choses ensemble. Ah, dans 34, en direction, on va venir sur l'aéroport. En tout cas, pour les plus fragiles, sachez que j'abandonne rien du tout, qu'on va continuer ce qu'on fait, qu'on va même continuer à améliorer les choses, que j'ai plein de projets qui sont en cours, et que, voilà, clairement, j'espère qu'en 2019, j'aurai l'occasion d'ailleurs de finaliser pas mal de choses pour vous en faire profiter. Donc, c'était un petit message pour mes plus fidèles et loyaux, Punzer, de la confrérie d'élite, qui s'étend... au travers de l'univers. Voilà. Merci FSM Canva pour ton subscribe Prime. Je te fais un bisou, je te souhaite la bienvenue dans notre fière. Merci pour ton soutien, merci pour ta générosité, bienvenue à toi. Alors hop. Préparation du transfert de fonds. Bonsoir, monsieur. Ça y est, c'est piraté. Bonsoir, vous allez bien? Qu'il leur manque du fiscal. Je suis aussi vite que possible. Nos heures sexuelles. Ah, c'était bien, c'était bien. On va attendre que 27 fasse son boulot. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ensuite, c'est une épreuve chronométrée de conduite. Oh putain. D'accord. 10-4. Bien pris, bien pris. Attendez, mon 4 quand même. C'est pour quoi faire, lieutenant? Vous êtes lieutenant maintenant? Bah, c'est pour passer agent. 10-4, waouh, mais ça passe des tests juste aujourd'hui, des non tests je fais... Ouais, je fais un test et puis ah non, je non, non, c'est juste. Je pourrais le refaire. Il y a encore le plateau à passer. Quand je vais échouer, je peux le refaire. Je peux le refaire quand je vais échouer, je peux le refaire. Oui, oui, oui. 10-4. Oui, oui. Après, vous pouvez faire 4 minutes, ça ne tue pas. Hein. C'est acceptable. Tant, si 4 minutes et que le véhicule est intact, c'est bon. Faut si que le véhicule est cassé possible, que c'est 4 minutes, ça sera en cassé. Ah non. C'est au minimum 4 minutes vous ou c'est au maximum possible. 4 minutes 10-4. Faut que j'aille où? Non, c'est le temps à avoir, c'est 3 minutes. Je vais vous faire le topo une fois qu'il sera. Je vais faire une Nabil Larech, tu vas voir. Oh là là. Oh là. Vous venez de voir le tweet là du mec là? Qui vient de dire. Ouais. Ok, très bien. Allez, on t'en voiture. Alors attendez, parce que j'ai un truc. Ok. Dans la mienne, 13. Vas-y. Vas-y, vas-y, dans la tienne. Je ferme la porte, vas-y. Je déverrouille, j'ouvre la porte, je re-rentre, vas-y. Je ressors, vas-y, je rouille la porte, voilà. Je verrouille, je vérifie, nickel. 10-4. Waouh. Ah, on est tous les 4, okay. Waouh. Alors, on est pas parti pour tourner la banquise là, monsieur. En effet. 10-4. Non, non, non. Quoi que vous êtes sur votre 4, vous me le dites. 10-4, je suis sur la carte, monsieur. Vas-y, je suis sûr que c'est là-bas. Pareil. C'est le cliché à se faire, okay. Vas-y. On va manquer donc nous irons par là, d'accord, on prend cette route. C'est bon. C'est où par là? On prend le carrefour, suivez pas le GPS qui vous indique. Et après là on revient par la rivière. D'accord? C'est plutôt simple. S'il vous plaît. On va jusque là-bas, mais après on prend le carrefour et on va par la rivière. On tourne toujours à droite en fait. Très bien. Je vous le redirai de toute façon, quand on tourne à droite ça sera mieux. Je serai avec vous. Faut suivre, on finit dans le ravin.
Voilà. Ouais, putain. Des volontaires ? Je sais plus jouer. Vas-y, moi je me mets la pression direct. Moi direct, monsieur, volontaire. Volontaire pour commencer. Je suis une putain de mazo. 27, vous restez ici. J'ai même pas envie de le faire et tout, je le sens même pas, mais je suis volontaire. Vas-y, direct. 10-4. Je suis putain de barjo, pas de problème. Dans la vôtre, plus de haine. Pas de soucis, vas-y. Ok. 13 dans votre voiture. 10-4. Non mais restez dans celle-là, c'est bon. Mais on m'a dit de changer de voiture, monsieur. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, montez en conducteur. 10-4. Vas-y. Full médiocre. Médiocre. Oups, pardon, oula. Ça va, lieutenant ? Comment t'allez-vous, lieutenant ? Ouais, ça va. Ça va, je suis habitué, Oscar il me faisait ça tout le temps. Ok, mettez-vous sur la route. 10-4. Derrière. Voilà. Dans 10 secondes, on y va. Oui, oui, mettez le code 2. Code 9, 2, activé. 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1, go. Ah, je suis pas dedans, les gars, je vais essayer d'être sérieuse, putain, c'est chaud. Ah, c'est de la merde. Je sais plus jouer, moi, je joue plus, moi. Maintenant, je suis en mode Yes Life, je sais plus conduire sur GTA. Oh là là, le bordel. La voiture, c'est de la merde, putain. Je suis une rageuse. Waouh. Waouh, y'a plein de virages, monsieur. Ah oui, ouais. Faites attention à comment vous... Vous avez la ceinture bien attachée, mais... monsieur, faudrait pas qu'on tombe dans le ravin. Oui, oui, bah... Tombez pas dans le ravin. 10-4. Faites pas contre 28. 28 est tombé dans le ravin, c'est qui? C'est Sergent Ficello, monsieur, 28? C'est ça. Non, c'est votre ami. Quel ami? Ah, c'est Dana, ça, 28. Ou c'est 34? Non plus. Dana, c'est 34. L'autre ami. J'ai pas beaucoup d'amis, monsieur. C'est Capitaine, 28. 28, c'est Kyle. Voilà. Est-ce que l'état du véhicule est noté à la fin de l'examen, monsieur? Ouais, oui. 10-4. Donc si ma voiture est nickel, ben c'est un bonus, sachant que elle est... Non, je sais pas. Le but, c'est d'avoir un véhicule nickel. Si elle est abîmée, 10-4. C'est des malus. Vous êtes à 1 minute 30 de parcours. 10-4. Prenez à droite. Je connais pas le parcours, monsieur, c'est une découverte un peu. Eh oui, c'est comme dans une course sur suite. On n'est jamais le parcours, on a une course sur suite. En 10-4, plus, oui. Vrai. Faut que j'arrive à faire le parcours, monsieur Gibbs, il sera fier de moi. Ah, mais il y a des chances. Putain, mais c'est trop facile en fait. Faudrait que je me casse la gueule, faudrait que je fasse exprès de rouler mal, non? Si je le réussis trop facilement, c'est pas bien, non? Je me fais instant de karma, full rivière. Waouh, 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 on n'est pas passé loin là. Waouh, 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 waouh. À l'aide. Ok. Ok. Waouh, c'est impressionnant. C'est pas facile, hein, monsieur. Ouais. Allez, jusque là où on est. Bon, ma voiture est nickel, hein. C'est à droite, c'est par où là? Non, c'était à ouais, droite. C'est derrière. 10-4, excusez-moi. Voilà. Waouh, trop simple, monsieur. Ouais, j'avoue, ouais. Sûrement trop simple. J'ai fait 5 minutes, monsieur, 4 minutes, 4 okay. minutes 13, 4 minutes 14, 5 ouais, minutes. Ouais, vous avez fait 18 minutes, ouais. 10-4, non, le temps m'est passé 4. Vachement vite. 3 minutes 4, waouh, agent, c'est trop simple en fait. Waouh. Wow. Allez, bon courage, mon gars. Waouh, tu vas bouiller. Sur côté. À vous 27 en voiture. Très bien, dans ce véhicule-là. Il y a du temps, je peux venir pour voir, dites oui s'il vous plaît.
Je vais apprendre comme ça, waouh. Comme ça, quand je serai agent, je pourrais se poser les cadets. Ah ouais, tranquille. Attendez, excusez-moi. Non, elle a un petit jeton à l'avant, la voiture. 14. Waouh. On peut la changer si vous voulez, 27. Attendez, merde, j'arrive pas à rentrer. Je préfère changer, comme ça au moins je vois mes oreilles. Ah, il rentre, putain. Ouais, bah, elle est tirante. J'ai l'air, viens là. Très bien, pardon, attention. Non, c'est un cruise, c'est tout. Merci, Jamais Cruise, pour les 15€ de dons. Fier tient dans un sexuel élite de la. Merci à toi, mon fier Punzer. Merci pour ton soutien. Merci, Bounticore, pour ton resubscribe entier. Les 6 mois de fidélité. Matez-moi ce 6ème mois, tout feu, tout flamme dans la. Confrérie. Merci, Diogo, pour tes 7 cheers. Je sens que tu vas finir dans le ravin. Tu as tort, Diogo. Tu es médiocre. Médiocre. Merci, Loupépo, d'avoir fait un sub en tirant à Lulu pour son 3ème mois qui reste membre de notre fier. Confrérie. Et qui participe à l'extension de notre fier. Confrérie. Merci à toi, Loupépo. Je t'aime. Ok. Ça va être problématique. Waouh, le siège est glissant, je glisse dehors. Merci pour les chaussures. J'aime mes nouvelles chaussures. Ah oui, utilisez vos clés. Ça glisse. Attendez, bougez pas. Allez, très hop. Bien. Nickel, c'est parti, vas-y. Allez, donne tout là. Alors, c'est 18, juste, non, c'est monsieur, juste pour avoir. Non, sergent. Lieutenant, pardon. Du coup, juste confirmation, s'il vous plaît, de votre part. Regardez le GPS. C'est jusqu'à. Le petit chemin qui est là-bas, c'est pas le premier. Jusqu'au bout. Vous voulez vraiment passer dans le chemin? Eh, ça s'est pas gratté là. Ah, jusqu'au bout, la ok, tant mieux. Pas dans le chemin. Non, 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 c'est là. Ok, très bien, tant mieux, merci pour être sûr. Très bien, cool, hop. Et l'agent, c'est une vocation, cadet, hein. Ouais, ok, très bien. Ah, je vais te saouler, vous allez voir, le pauvre. Merci, le beau Mendy, pour ton risque de Flavie Prime. Et les 3 Mendy, bisous toi, Fier Punzer, merci pour tes 3 Mendy. Faites pas de décompte, 13, hein. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Mettez le code 2. C'est une urgence, là, faut intervenir. Très bien. Ah lui je le sens pas lui par contre là, je le sens pas. Ah on va lui pourrir son test. On est vraiment une sale connasse quand même. Ah dis-toi que je suis une sale connasse. La personne est quand même dans l'urgence là. Faut un peu se dépêcher. Hein. Mettez pas la pression transparente. T'es tout le long du exercice. 10-4. Nous avons un réseau. Nos partisans sont légions. Wow, ouais, je peux rien dire. On n'a pas le droit de mettre la pression, c'est dommage. C'est marrant de mettre la pression. Moi, j'aime bien qu'on mette la pression. En même temps, il n'a pas l'air d'avoir besoin qu'on lui mette la pression. Je sens venir l'accident. C'est 4 minutes hein, le temps maximal, c'est bien ça, hein, lieutenant. Ouais, c'est ça. Tic tac. Ah, je suis la pire, oh, y'a le moteur et tout. Ah mon dieu. T'as lui, il pourra plus me blairer, c'est un fossure. À droite. Waouh. Ah, le temps passe plus lentement quand c'est nous qui le faisons. Deux minutes. Waouh, je vous ai déjà battu. En plus, c'est pas vrai, je crois qu'il est meilleur que moi. Qu'est-ce que j'ai dit, 13? 14. Je propose de mettre un contrôle radar après à la sortie, parce qu'après une course comme ça avec des véhicules comme ça, on risque d'avoir le pied lourd. Le 36 en fait avec le plus de 34. Il veut pas tomber là, j'en peux plus, putain. Ah il freine hein, il a le pied sur le frein. Ah y'a moyen qu'il soit meilleur que moi là ouais.
Ah, mais sa voiture, ouais, je sais pas. C'est pareil que moi. Mais en vrai, il est pas difficile ce parcours. Hein. C'est vrai qu'il a percuté un motard. Merci Elia pour les 100 cheers. Je te fais un bisou, je te remercie beaucoup pour ta générosité. Et merci le Mage Bobby pour ton release of flamme entière, les 15 mois de sable. Toujours un plaisir d'être ici. Merci à toi le Mage Bobby. 3.25. 3.25 ou 3.25? Wow, impressionnant. Ouais, vous pouvez la garer. Je suis qu'un paysan. Je peux avoir des chaussures. Merci Sarcom TV pour ton subscribe. Tiens, bisous à toi, Fier Pouzer. Bienvenue à toi dans la confrérie. Accueillez-le ou accueillez-la comme il se doit, s'il vous plaît. On y va, 99 en voiture. Celle-là, l'autre, comme vous voulez. Je me tais, je suis silencieuse. Et t'es où en place? Sarcom, c'est Roger, c'est qui Roger? Je peux avoir des chaussures. Merci Benfun, Roger, c'est le mec qui fait le café, non? C'est le mec qui arrose les plantes dans le Lespizy ou pas? C'était le code 2. 5 secondes. Ah, fais-moi un petit café, Sarcom TV. A tout à l'heure, bisous. Non, je rigole, la grosse connasse. Merci Benfun pour ton subscribe entier. Bisous à toi Benfun, re-bienvenue à toi dans notre fière. Allez. Premier virage. Allez. Allez. Médiocre, médiocre, allez-y. Médiocre, médiocre. Vous avez pas dit de t'en montrer 13? Qu'est-ce que j'ai fait monsieur? Pour une fois j'ai rien fait, j'ai pas mis la pression, j'ai rien fait monsieur. Je vous jure c'est pas moi. Ouais, je vous avais dit de t'en monter. 10-4, mais j'ai rien fait. Ah lui il est chaud par contre. Ah oui je le sens bien par contre. La voiture elle est dé... On a fait un tonneau des premiers virages. What the fuck. Je savais pas que c'était possible. Ah je le sens bien lui. C'est une Elodie ça. Ah. Ah putain je peux plus. Faut attention, il y a une autre moto qui va arriver en face. Ça marche, ah oui je le sens trop bien lui. Allez ça marche ça comme TV. J'ai pas l'impression que t'as kiné. Ah il sent qu'il a l'impression que t'as 19 là. Regardez le motard, il est filmé. Quelques soucis de vision. Ouais, changer de lunettes. Je pense que c'est ce que je vais faire. La voiture elle est tendue à l'arrière. Vas-y, il fait tout le tour et tout, regardez. Ouais, ça se fait pas de se moquer. Non, je rigole, j'ai pas de scrupules. C'est trop marrant. Vas-y, foncez. Oh, c'est la durée, le malus du tonneau. Ouais, ça marche, Sarcom. Ah. Il y a un petit moment critique vers la fin, je sais pas comment ça va se passer, mais là, il est vachement prudent. À mon avis, il est chauffé là. Ah 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 ah. Va pas passer loin. Ah 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 ah. Médiocre. On est bloqué. Sortez 13. Non.
Si, si, sortez. Ah non, plus de ce côté. Ah okay. Non. Je me mets dans l'obligation pas. De refuser, monsieur. 27, prenez une voiture et rejoignez-moi sur l'appel. Sur l'appel. Je peux pas prendre les appels par contre. Vous pensez que je devrais sortir dedans? Parce que j'ai pas la bonne touche à signer sur mon téléphone. D'accord, pas, bon, prenez le parcours en sens inverse. Très bien. Ouais, plus vous allez bouger, plus vous allez vous faire... Plus vous allez vous... Voilà. Exactement quels arrêts. Des dépanneurs en route, en ville. Est-ce que je descends, lieutenant? Bah vous descendez, il y a des chances que la mort est là. Hein. Je ne veux pas mourir, lieutenant. Ouais, descendez pas. 10-4. Ah, y'a un calvaire sur la route là, monsieur. Vous avez mal à la tête ou la doliprane? Non, c'est juste que c'est un calvaire sous la voûte un peu, monsieur là. Ah. Et pourtant, j'ai pas mis la pression, lieutenant, vous êtes témoin. Ah ouais. Ouais, on a un petit calvaire sous la voûte, comme dirait 13. Ah, ils m'ont adopté, les gars. Je peux vous dire, j'ai pris l'appel des dépanneurs. Comment ça, l'autre s'appelle Mousse à bière, quoi? Oh là là. Ah, quelle communauté, waouh. Tous les jours, c'est un nouveau voyage. Un Oscar pour ta prestation. Sa prestation. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais... Oh. Merci, c'est gentil, Joanie. Merci pour ton message. Ah. Oh. Waouh. Oscar Fidelo. Pouh. Il y a trop d'émotions sur les lives en ce moment. Vous savez que vous me manquez en vrai des fois. Ça m'arrive. D'ailleurs, vous avez participé au giveaway un petit peu ou pas là? Ah ouais, j'ai un truc à vous dire mais ça va pas vous plaire. Donc je vous prends en traître, je vous le dirai quand ce sera trop tard genre. Ça marche ou pas? Vous en pensez quoi? LSPD pour LSMS. J'ai un coup de fil un instant. Je vais vous faire un appel. Il faudrait venir. C'est au cas où on a une voiture qui est à Califourchon sur une falaise. On va essayer de la sortir de là, mais. Au cas où. Bien reçu, je vais voir s'il y a quelqu'un de disponible. Non, je parle pas 10 jours. En formation, dans un deux, et l'atterrissage est compliqué. Ok, ça marche, je vais voir. Je parle pas 10 jours, je pars. Mais c'est demain, de sortir de la 99. Demain, je pourrais pas streamer. Mais parce qu'il neige dehors, comme il neige et tout, genre, ça va être compliqué de streamer, genre. Je vais me faire défoncer. Bref, jeudi, je suis pas là. C'est brusque. Et je reviens chez moi le lundi 4, en fait. Et à mon avis, comme je suis une putain de fragile et qu'il y a peu de chances que je dorme et que je mange correctement, à mon avis, le 5... Ah, mais le mercredi, je pourrais pas streamer. On va essayer de faire en sorte que le mardi 5, je puisse live. Parce que le mercredi 6, je pourrais pas live, en fait. Et le jeudi 7, je vais tout faire pour reprendre les streams de manière sérieuse. Je vais me pousser, on va essayer de faire en sorte que ça marche bien et tout. Pour le jeu 17, 8, 9, 10, toute la semaine on fasse un full live. Ah. Aïe, du coup ça vous le savez déjà. Non mais je voulais vous dire un autre mauvais truc. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Non mais là votre situation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez refaire l'appel? Oui. Je suis bloqué moi. En fait, j'ai un trop gros cul pour me déplacer sur l'autre siège. Faites l'appel.
C'est pénible en effet, ouais. C'est vrai que c'est dérangeant. Sans trop bouger, sur 27 ans, je crois. On t'entend rien. Non, mais non, Gunnar, ça marche bien, par contre, ça va arriver. Mais si c'est lent avec Gunnar, c'est pas ma faute, c'est la faute de Gunnar, c'est la faute de SL, parce que c'est SL qui gère le deal. Je pense que c'est mort. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Moi, je veux sortir là. Oh. Et je vais mettre la viande dans le torchon comme ça toute la soirée, monsieur. Bon appétit. Non, je suis coincé, c'est une blague. Eh, vous pouvez pas essayer de rouler, de faire quelque chose là, de débloquer le véhicule? Vous pouvez pas pousser, vous, monsieur, là? Vous avez des gros bras, non? Arrête, arrête! 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 Les véhicules s'enfoncent. C'est rien, l'autre. Ouais, bougez pas les. Touchez plus le volant, touchez plus les pédales. Non, la mauvaise nouvelle. Oh, la mauvaise nouvelle. C'est pas monter dans le véhicule. 10-4. J'ai l'humeur qui boite là, monsieur. Je veux sortir. Vendeux, tu nous accompagnes, s'il te plaît? Ne faites plus rien, ex-cadet. Dinguerie, aïe, 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 aïe. Non, aïe, du coup, aïe, aïe. Ouais. Non, en fait, je sais pas comment vous allez le prendre, donc j'ai réfléchi un petit peu. Attendez, comment je pourrais vous dire? L'Empire naît aujourd'hui. L'avenir nous appartient. Nous construisons pour la confrérie. Merci de construire pour la confrérie, Sloog. Merci pour ton resubscribe en tier 2 et les 16 mois de fidélité. Punzer Cybercommando. Tu viens du futur, tu ne fais qu'un avec la machine. Vous savez d'ailleurs que si vous appréciez l'alerte du tyrannosaure sexuel en subant pour la première fois en T3, eh bien il y a une alerte également unique pour les subs en tier 2 en Punzer Cybercommando, en fait. Je ne sais pas si vous le saviez, parce qu'on l'a quasiment jamais vu sur le stream. Hein. Mais en tout cas, voilà, maintenant vous êtes au courant. Et merci Sloog pour ta loyauté et tes 16 mois de sub. Tout à fait, je discute avec les non-subs sur Discord. Je prends un plaisir obsessionnel à mettre des réactions Twitch Prime sur chaque message posté par les disciples de la confrérie sur Discord. Voilà. Et j'incite tous mes Punzors, avec la grande fierté dont ils font preuve, de faire de même et de suivre mon exemple. Et du coup, ouais, ce dont je voulais vous parler, bah écoutez, en fait, c'est juste que pour ma chaîne YouTube, je réfléchis en fait à pas mal de choses. Il va y avoir des modifications prochainement dans la manière dont je vais publier mes vidéos. Et du coup, il y a certains trucs qui vont changer. Donc, je vais continuer à poster des vidéos sur YouTube, simplement, comment je pourrais vous l'annoncer? Je sais pas, bref, vous verrez, c'est sur YouTube, en tout cas, il n'y a rien de grave. En effet. Waouh. Décale-toi, 27, décale-toi. Guidez-moi. Guidez-moi. Plus fort. Guidez-moi. Voilà. Plus fort. Ah, j'ai les yeux en kill de poupousse là. Accélère toi aussi là pour l'aider là. Accompagne le mouvement. Accélère, accélère. On va tomber là. Voilà. Ça a pu tellement partir en explosion, putain, je suis dingue. Allez, speedy pour l'SMS. On est bon, finalement, on a réussi à sortir la voiture sans encombre. Merci quand même du déplacement, s'il était présent. Ça marche pas, soucis. Retournez au véhicule. Normalement, vous en avez un chacun. Du coup, vous avez des questions ou pas? Non, je suis pas enceinte. Ah, c'est mort, hein. Il a même pas fini le test. Hein. J'ai pas envie d'être enceinte. Je veux pas d'enfant, moi. Moi, je suis streameuse. J'ai mal commencé. Ah ouais? Comment c'est-à-dire? Je te raconterai. Vas-y. Au premier virage, il a fait un looping. Waouh! Waouh! Ah, ouais, ok, très bien. Ça se voit au niveau de la tête du véhicule, un peu, ouais. En taille de peinture, je fais entre le 39 et le 41. Ça dépend des chaussures NVDL. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux maintenant que tu connais la peinture? Pourquoi tu connais de la peinture? À 34, c'est la direction de l'aéroport. De nouveau.
Ouais, faut choper la voiture, non? Non, je ne ferai pas de tuto maquillage. Regardez-le l'autre là. Allez, c'était dans l'exercice qu'il fallait accélérer mon gars. Il me fait trop rire. J'enculé son feu arrière. Regardez comment il conduit comme un tarde. Oh, je kiffe. Les cadets ou les speedy en ce moment ils sont géniaux. Je kiffe. Ah, je mets le code 2 quand même pour la forme parce que putain Roger il doit tirer une tronche là. Sur le stream. Et la suite, j'écoute. L'école 13, on va où? Je sais même pas où on va. Il vous a dit d'aller au commissariat de Sandy Shore. 10-4. Ah ouais, c'est là-bas, ok. Je sais pas où c'est, moi. Putain, je suis la pire. On va rentrer les véhicules, on va rentrer en hélicoptère. Il joue le dernier. T'es là dans les véhicules ou pas? 99, ouais. Rentrez votre véhicule. Allez hop. Attention. Oh. Et montez dans l'hélicoptère. 10-4. Putain, j'avance lentement. Allez, avec ma. Vite. Avec ma. Ma truc. C'est pas derrière. Du coup, vous allez passer pas derrière. Dans les 36, 19. C'est le second compte de Geeky Human. Ah, j'en suis putain. Mais ça dépend des chaussures. En fait, par exemple, là, j'ai une paire de bottes, c'est du 41. Mais je me suis aperçu qu'en fait, j'avais au moins, je sais pas, un centimètre de trop en fait. Du coup, je te dirais, je suis du 39-40. Mais sachant que je fais 1m75, bah c'est normal quoi, j'ai pas des grands pieds, mais j'ai de beaux pieds en plus, j'aime bien mes pieds, ils sont beaux. J'ai des pieds fins et tout. Et puis je prends soin de mon corps et tout, donc voilà. Je kiffe mon corps. Je me sens bien dans ma peau, j'ai pas de complexe. D'ailleurs c'est chiant parce que du coup je suis pas du tout pudique. Du coup, IRL, je suis la reine du malaise aussi des fois. Parce que moi, je m'en fous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai déjà posté une photo de mon pied il y a 2 ans pour le troll sur Twitter, je me rappelle. C'est un troll, je me rappelle. Mais j'assume pas, faut pas m'en reparler. Hein. C'est pas professionnel. Non, je suis narcissique, c'est vrai, mais quand je vous dis ça, c'est pas l'expression de mon narcissisme, c'est plutôt le fait que j'ai confiance en moi, en fait. C'est pas narcissique de dire que t'as pas de complexe, et que t'aimes ton corps, en fait. Ils nous craignent. Merci Migaulté pour ton risque supplémentaire et les 20 mois de sève. Bisous toi, Fierpunzor. Merci pour tes 20 mois de fidélité. On sera l'annoncé 69 quand vous faites un PTP. Je sais que vous l'avez annoncé, sur Twitter, mais j'ai pas entendu. J'ai pas un complexe de mèche en fait. Ma mèche elle pousse et du coup elle est chiante. Elle me dérange en fait. Mais je complexe pas dessus. Parce qu'en plus c'est chiant, surtout à la cam avec le casque et tout. Sans vérifier IRL, ma mèche j'en ai rien à foutre. Merci. La recette d'avoir confiance en soi, c'est de n'accorder aucune importance au jugement des autres. Gore, Kaliam. Et ça commence par devenir un fier membre de la... Confrérie ! Est-ce que tu connais Twitch Prime ?
Non, je suis devenu accro à la Yes Life. J'ai déjà envie d'arrêter de streamer, ça fait 50 minutes. Vous allez me défoncer. Ah. J'ai envie de mettre ma nouvelle robe. J'ai envie de sortir. Je suis avec 22. Vous êtes l'aéroport. Aéroport, oui. Nous veillons au bon déroulement de la course. 10-4. VL3 donc, avec des montagnes, 13. C'est juste oui. Insupportable. Je vous écoute, lieutenant. 13 et 27, c'est validé pour vous l'épreuve chronométrée, vous n'aurez pas à la repasser, il y aura l'épreuve plateau et peut-être l'épreuve chronométrée 2. Mais ça on verra. Parce que ça peut mettre des... C'est un peu bizarre, ça peut mettre des civils en danger. Patrouille tous les deux, prendre 99, on va escorter les ambulances. Wouah mais c'est trop bien, ouais. Validé. Délivré, ouais, libéré, en effet. Pas de course 99, avec moi. Allez, au pas de course. Je fais quoi pendant ta Yes Life? Ce que je fais pendant ma Yes Life, je passe beaucoup de temps, genre, je sais pas comment dire. Tu fais l'annonce radio. C'est quoi ton nom? Ton numéro? 27. Et t'es cadet, non? Ah ouais, 10-4. Adam, 13. 10-41, secteur 1. J'ai appris. Bah je suis pas sur le PC genre tu vois, genre je passe moins de temps sur le PC et du coup ben j'ai envie de faire d'autres choses que l'ordinateur tu vois. Mais le mieux aurait été de battre le chauffeur, parce que comme ça ils entendent ta voix donc ils savent que c'est toi et ils savent avec qui tu es. Avec on va l'ignorer, on lui fout un gros vent parce que dit ça genre voilà. Et du coup ben... C'est un peu 19. Bah je suis pas sur le PC en fait, c'est juste je passe du temps en dehors du PC quoi. Je fais des trucs genre, je sais pas, genre je prends du temps pour moi. Moi je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Genre, je m'épanouis, genre je sais pas comment vous dire. Eh, je me sens mal. Eh, vous êtes relou. Eh, je suis en train de transpirer, je vais la clim. À l'aide, putain. De 36, t'as une aise. Nous allons chez moi, mais j'ai chaud, putain, je mets la clim. Au du Redwood Light Track, là où il y a eu la course de Mozart Truck. Putain, je dois être la seule putain de barjot qui met la clim alors qu'il neige dehors, quoi. Waouh, wow, allez, c'est parti. Ah. Vous tenez ces informations d'où? Bah... Oh, putain. D'un mail anonyme qui a été envoyé au médecin. Besoin de renfort? Bah juste si je crie, venez. Ouais mais on va peut-être éviter d'attendre que je suis dans le secteur. Ouais, si on a une patrouille on va se vers le nord. Vers là-bas. Ouais. Ah putain. Par contre il commence à faire trop froid en fait. J'ai mis la clim genre 20 secondes, j'ai déjà trop froid. Ah, il est en train de neiger dehors, c'est pas raisonnable. Putain. On aurait essayé. Comment? On va peut-être essayer de converser avec notre pote parce que c'est pas ouf là. Adam 34 en sinon ça va secteur 2 mais 22. Ça va et ça toi ou vous où à peu près vous voyez le terrain de cross? Mais waouh, l'exercice était super bah, chaud hein. Juste en dessous, et le gars avec qui j'étais il a fait un tonneau direct dans mes virages. Waouh, média. Et je verrai pour mettre en place une carte quadrillée pour donner des quadrillages un peu plus précis. Il s'est passé quoi, Crash Nemesis et puis un Punzer ou quoi? T'aurais pu dire, je vais juste chez l'esthéticienne, ça aurait été plus simple. Bah ouais, je vais chez l'esthéticienne et alors... T'as un quel rapport?
Quel rapport avec mes sourcils ou mes aisselles Enfin, je comprends pas. Merci Kézares pour rien de cheers. Je répondrai pas à ton message. C'est bizarre. Et genre, c'est intime, genre. Moi, j'assume rien du tout, les gars. Vous me saoulez, là. Je me sens mal. Anad. Ok, du coup, eh bien, voilà. Donc, ouais. Disons que ça me fait du bien parce que. Bah, un peu en 3 ans, je faisais rien. Et voilà. Et là, faut que je trouve un équilibre. Parce que bon, bah. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Enfin, voilà, il faut quand même que je fasse autre chose. Du temps, quoi. C'est juste. C'est une phase. Une concentration, je suis derrière vous, 36. Mais c'est gênant d'en parler avec ma communauté. Ok, on se détend. Fou. Waouh, et ça fait longtemps que t'es au LSPD ? Ça fait 2 semaines, et toi ? Ouais, moi ça fait. Waouh. 3 semaines, je pense, un peu plus. Et comment ça se passe au LSPD ? Bah ça se passe bien, écoute, j'ai Roger qui me fait le café, j'ai Captain Nabila qui me donne des missions spéciales, et voilà quoi, je wow, m'épanouis. Waouh, de la chance. Je m'épanouis au sein du LSPD, quoi. Waouh, impressionnant. Et je vais devenir une super flic comme Gibbs. Tu veux voir mon fond d'écran ? Tiens, regarde mon fond d'écran, regarde, c'est Gibbs. C'est mon héros à NCIS. Waouh. Ah oui, je connais, oui, ah. Oui, première wow. Copine, j'ai vous avez du ami. Ok, tu vas bien. Moi, je me suis inquiété. Tu m'as déjà oublié une fois de plus. Coucou. C'est qui déjà ? C'est toi, Merguez. Ah, waouh. Donc bref, à part YouTube, ce dont je voulais vous parler, c'est que on va se le dire franco, parce que je vais pas tourner autour du pot de 10 000 ans. Je pense continuer les épisodes de Chang pour essayer de faire en sorte que la série soit terminée. Mais pour l'INSEE, j'ai créé la vidéo pour que vous puissiez avoir une présentation de mon personnage, mais je ne suis pas certaine de créer une série en fait sur l'INSEE pour des raisons assez simples et que je pense vous allez comprendre. La première raison, tu c'est que. Vas-y, je prends l'appel direct. Oh non. Ok, ça a déjà été pris. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Excuse-moi, dommage. Je suis un peu concentré, ça t'ennuie pas, genre. Non, pas de soucis. Ok. Comment tu t'appelles ? Prénom ou nom ? Les deux. Blake, nom de famille, prénom, Molène. Et toi ? Beck Moller, écoute, moi c'est Lindsay Walker. Molène. Enchanté. Molène. Voilà. Enchanté. Lindsay Walker, très bien. Molène, c'est pas Molaire, c'est pas Molière non plus. 10-4 Molière, Molaire, Molbel. Ah, oups. Ok, très bien. J'ai un petit souci avec les noms, je suis désolé. À pas prendre personnellement. Pas de soucis. En tout cas, je suis contente de faire truc avec toi, Belle Molard. Wow. Bref, Molette, ah, c'est pas mal ça aussi, c'est Blake, Molène, Molène, Blake, Blake, Molène, Molène. Ok, Molette. Ok, très bien. J'ai pas fatigué. Bref, et du coup, je pense pas. En fait, j'ai créé la vidéo pour Lindsay Walker, d'accord ? Pour la présentation du personnage. Mais je ne pense pas en faire des épisodes réguliers pour la simple et bonne raison que, bah, clairement, mes rodifs, vous les poncez, que les gens qui sont vraiment intéressés par ça, bah, ils vont pas forcément regarder les épisodes parce que vous avez déjà vu en live récemment et que. Ouais, voilà. Les années de jour. Et que les gens sur YouTube, bah, moi sur YouTube, je suis pas non plus une grosse YouTubeuse, donc la plupart des gens ils viennent de Twitch. Et du coup, je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube que vous allez kiffer. C'est une nouvelle manière de procéder que je vais expérimenter. Et il y aura du roleplay, mais il y aura. Voilà, vous verrez. Mais par contre, pour Chang, je pense continuer les épisodes. Et je vais essayer de terminer ma série. Ça vous va ou pas ? Ah.
Et du coup, t'as fait des enquêtes et tout, genre? Pas forcément. Et toi? Ouais, moi j'ai fait des super enquêtes. J'ai enquêté sur l'homosexualité de 42, tu sais qui c'est? Ancien policier. Bah, 10-4. Après, j'ai fait une mission spéciale de protection sur le fils du gouverneur. Ah ouais, moi aussi. Mais du coup, là, 42, il est pédé ou pas? Ouais, c'est un gros pédé, genre. Oh, rip. Il s'entendrait bien avec le fils du gouverneur, alors. 10-4. Mais le fils du gouverneur, il aime la virilité, donc... je sais pas trop, quoi. Ah ouais. Ouais, en effet, que là, ouais, sur ce coup... Bref, l'important, tout ça, pour vous dire, c'est que... à ceux, justement... qui sont proches dans ma communauté, je voulais juste vous dire que il m'arrive rien de mal et tout, et que je suis heureuse en fait, et que je suis contente, et que voilà, je vous aime, et que c'est juste une phase, et que je lâche rien du tout, et que j'ai plein de projets et tout, c'est juste que en ce moment j'ai un peu la tête ailleurs. Voilà. Mais je pense à vous, hein. Je passe souvent sur le Discord d'ailleurs. Parce que justement, j'ai envie de conserver ce lien avec vous, j'ai envie d'être proche de vous, mais en même temps, des fois, j'ai du mal à lancer ça. Donc je me permettais quand même d'être sincère avec vous. Maintenant, on n'en parle plus, mais voilà, j'avais envie que vous le sachiez. Vous foutez pas de ma gueule, bande de bâtards. Bref. Ah... Bonsoir, Néostache. Tu veux faire des enquêtes? Tu peux postuler à ta droite. Oula, c'est quelle langue ça? Tu parles une autre langue? Quoi, j'ai dit. J'ai dit, tu veux faire des enquêtes? Tu peux postuler à ta droite. Droite, à ta droite, j'ai fait la liaison. Ah ouais, genre c'est des journalistes. Mais non, mais moi je suis une vraie flic, mon gars. Moi je kiffe Gibbs, NCIS, hein. J'ai pas les yeux en kikine de poupou. NCIS, hein. Los Angeles. Moi j'aime NCIS tout le temps. Pour moi c'est la meilleure. Ok. Bah, c'est bien NCIS, c'est la meilleure, c'est bien. Toi je t'aime bien, tu vois. Non. T'es un bon Molard. Voilà, hein. Je t'aime bien. Molard, mais c'est Mollet. Ok. Mollette. T'es un bon Molard. T'es une bonne Mollette. Ok, Mollette c'est mieux. Ouais. Quelle Mollette. Ah mon dieu quoi. Mais non, tant que c'est pas fini, il y a des vidéos sur YouTube. Super tanker. Et peut-être qu'un jour je repasserai sur Ferdi. Madame 34, 10-41, secteur 1. 10-4. Bah du coup là, je sais pas, on patrouille où, genre... 1-469, 10-41, secteur 1. On pourrait... Je sais pas, on se balade. 10-4. 10-20, 13. Adam 13, nous sommes en patrouille en 10 et secteur 1. Mais après, où ça? Concessionnaire. On est au concessionnaire de Adam 13, terminé. Bien pris, 13. Bah Chang, elle aura peut-être pas de mort badass, mais Chang, elle mérite pas forcément de mourir en fait, c'est ça le truc aussi. C'est que mon personnage, la dernière fois où je l'ai joué, elle était quand même dans le triumvirat du cartel, à prendre des gens en otage, à faire des choses. Mais mon personnage n'est ni légitime à mourir, simplement... je sais pas quoi vous dire en fait, c'est complexe. Est-ce que les gens peuvent parler à ma place? Si vous voulez parler à ma place, s'il vous plaît. Exprimez-vous là, s'il vous plaît. Tu ne peux pas perdre le fil des aventures de Chang. T'as qu'à aller sur YouTube, tout est numéroté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Tous les épisodes sont numérotés, tout est dans l'ordre chronologique, avec une suite logique. Si t'es perdu, je ne sais pas quoi faire. Il y a un problème. Bah, la suite elle va arriver sur YouTube, Adam, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que je vais restreamer sur Ferdi dans l'immédiat? Déjà que je stream moins en ce moment et que je prends beaucoup de plaisir à jouer sur SLS,
Je me suis pas désactivé sur Fanny. Je paye toujours le sub chez Kamak, je suis pas des whitelistés. J'ai prévenu les admins sur Ferdi que j'étais un petit peu moins active, mais je me code de temps en temps hors stream. Je me suis connecté sur Ferdi il y a une semaine. J'ai des cours d'ailleurs avec une calache en main dans une ruelle. Donc voilà, mais actuellement je fais une petite pause. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas. Donc on verra bien. Dans tous les cas. Ça y est, c'est piraté. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Bon sauveur, suprême leader. Bon sauveur à tous et à toutes les ponzeurs. C'est bien, bonsoir à toi Dark Connard, tu es bien poli ce soir. Merci à toi pour le don. Tout à fait, pour jouer sur Fair Defy, il faut être Sabakamak Abraham. Aïe. Mais du coup ouais Waouh, tu conduis un peu n'importe comment là. Hein. Putain, j'ai du mal à mettre dans le roleplay, c'est ouf. Ouais, ok. Et au fait, ça fait combien d'heures que t'es en service là? Ça fait 1h30. Non, ouais, 1h25 minutes, plus ou okay, moins. Ok, ouais, on arrive quasiment en même temps en fait. C'est pour savoir si t'es passé oui, quelque ça, chose aujourd'hui quoi. Rien du tout. On a vu 42, c'est tout. Ah, il y a monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Anwar Taleb qui a perdu sa main. Ah je sais bon pas, il a perdu où, mais il a perdu sa main. Ouais, ouais, il l'a perdu. Okay. Waouh, je savais pas qu'on peut perdre sa main comme ça. Moi non plus. Et du coup, bah maintenant, il a plus de main gauche. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Je suis pas toujours un cancer, me voyez. Je suis du signe Gémeaux en plus Kappa. Bah, l'astrologie, moi, c'est pas tout mon truc, Dark Connard, donc je pourrais pas te dire. Ce que je sais, c'est que même si t'es pas un cancer, tu t'appelles quand même connard, donc c'est pas pour rien, quoi. Et merci à toi, en tout cas, pour les 2€ de donation. Mais t'es sage aujourd'hui, c'est bien. Ah. Restless, ouais, c'est ouvert à tous, tout à fait. Mais je suis Restless, pour rejoindre le serveur, il faut... Ok, regarde Twitter, c'est encore pire. Il faut... Okay. Il faut préparer sa candidature, avoir un background de son personnage, passer un entretien vocal RP avec des admins. Enfin, Restless, en fait, l'air de rien, quand tu veux faire du roleplay sur le serveur, ça pousse à t'appliquer, à créer un vrai perso et tout, c'est pas mal. Genre, même si c'est ouvert à tous, il y a quand même une sélection qui est faite, en fait. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que je puisse pas ressentir le besoin de muter mon son sur le stream pour faire du RP. Ça, je vous jure, c'est un truc de fou comment ça me libère. Et je pense que même pour vous, ça doit être agréable. C'est vrai que ça me peinait énormément à une certaine époque. C'est bien, R-Terror. C'est bien, je suis fier de toi. Mais t'inquiète pas. Et montre-lui ma dernière vidéo, R-Terror. Avoue, elle est sympa, ma dernière vidéo. Elle ne peut pas ne pas aimer. Permets-moi de m'arrêter un instant, j'ai eu un coup de téléphone. 10-4. Ta maman? J'aimerais bien. Bah du coup tu passes un appel là où je t'entends pas parler? Non mais en fait il m'a appelé il y a une seconde, j'ai pas le temps de répondre à temps et je le rappelle et il répond pas. Ouais, la jeunesse.
Ouais, enfin, on est un peu en service, on n'est pas là pour que t'appelles ton copain, quoi. Tu peux baiser avec qui tu veux, mais en dehors du service. Hein. Ah, tu veux qu'on baise après le service, pas de soucis. Non, j'ai dit que ton petit ami, genre, t'es pas obligé de lui parler pendant le service. Mais j'ai pas de mec, je suis pas pédé, j'aime les femmes. En plus, c'est pas mon pote. Biscat, tu me dis pas que tu vas me faire des trucs après le service. Sinon, Captain Nabila, il va te taper dessus. Ah, il me rappelle, oh, aïe, à l'instant. Allo, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Pas de nouvelles, en effet. Préparation du transfert de fonds. Ça y est, c'est piraté. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Vous pouvez essayer, mais je pense qu'il... Effectivement, ouais, vous je passe essayer. Un bon livre allongé dans mon lit comme j'ai toujours fait. Donc, bon livre à tous. Soyez sages, la paix par le pouvoir, Pounslove. Pounslove. Eh, c'est bien, t'es vachement sage, Darkonar. Eh, en fait, vous savez que Darkonar, on a mis plein de Madrid, pression là, sur Discord. Il va être jaloux après Nabila. Déjà, tu respectes le capitaine du NSPD, d'accord? Il s'agit pas de ça, hein. Bah, actuellement. Actuellement dans tous les cas, ouais, t'as pas à me harceler sexuellement dans mon travail, s'il te plaît. Hein. Pff, alors, comment je t'assure? Alors là. P, T, D, R. Ouais, enfin, tu pètes si tu veux, mais en attendant, tu m'as dit que tu voulais me baiser après le service. Hein. Alors soyons clairs que ça n'arrivera pas. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je mets pas la viande dans le torchon comme ça, hein, monsieur. Logique. On trempe pas le biscuit. Et ouais. Du coup, oui. Ah, ça, j'en doute pas que tu l'as pas trempé. On s'est pas compris. On s'est pas compris du tout. Ah, super, maintenant, l'ambiance, c'est le relevé fiscal, quoi. Bravo. Hein. Bravo, Mollard. Le relevé fiscal, ah ouais. Mollard, c'est Molène. Et non, c'est vous qui avez dit ça et moi j'ai mal compris, c'est tout. Ouais, écoute, Mladen, va falloir commencer à assumer. Molène, et j'assume, j'ai... Ok, très bien. Si tu veux, ouais, Mepsilon. Merci, Draconard. Bon, très bien. C'est long, oui. Et n'empêche le cadet, l'autre là, c'est ton pote, non? C'est un collègue, j'ai pas d'amis. T'as pas d'amis, moi non plus j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai quelques amis maintenant à Los Santos, mais avant j'en avais pas beaucoup. Bah tu veux voir mes contacts? J'ai trois... Attends, je vais vérifier. Ouais, j'ai quatre contacts sur mon téléphone. Tiens, j'ai une question à te poser, quand t'étais en surveillance du fils du gouverneur, genre, y'a pas des gens qui ont tenté de te braquer? Non, pour ma part, non. Mais après, quand c'est passé à votre tour, j'ai vu que c'était un peu compliqué. 10-4, ouais, moi on a tenté de me braquer à 3 reprises en 2 jours. Depuis ça? 10-4. Aïe, aïe. Mais pour quelle raison ils s'en prennent au fils du gouverneur? Bah, j'en sais rien, moi. Le capitaine et le lieutenant, ils pensent même que peut-être ils s'en prennent à moi, tu vois. Parce que je suis une personne spéciale. Ah, ouais. Ah oui, pourquoi? Ah non, 34, 19. Et après? Oh, vous êtes spécial. Préparation du transfert de fonds. Wow. Ça y est, c'est piraté. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Mais y a pas de quoi. Clin d'œil depuis le temps que je voulais parler dans le chat et participer à l'achat de tes jus d'orange et pain d'épices avec du beurre. Mais quel connard! Et pourquoi c'est bugué mon SimLabs là? Je le vois pas ton putain de don de noob. Putain, je me fais trash talk par ma communauté, c'est un truc de malade. Pff, oh là là. Merci Dark Connard! Mais je préfère le champomy et le jus de poire. Le jus de poire? J'aime bien le jus de poire. Du coup, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Vous en êtes tous 36. Ah. Pourquoi vous êtes spécial? On est retourné en ville. Parce que moi, je suis un peu la disciple de Gibbs, tu vois. Dit bien j'ai vu toute la série, je suis le code de Gibbs. Et je fais des missions spéciales pour Captain Mabille. 36, 10, 15, 20, etc. Waouh. Et j'ai réussi, j'ai eu le meilleur résultat du test de tout à l'heure, tu vois. Ça veut dire que vous êtes spécial. En tout cas, ça veut dire que je suis meilleur que toi.
Waouh, dans une conduite sur terrain dangereux. 69 mg. Bien vu. Dans des conditions dangereuses, je suis meilleur que toi. Je suis une cadette d'élite, ouais. Futur agent. Regarde, moi je roule pas sur les trottoirs et je traverse pas des lignes rouges, tu vois. Moi je respecte le code de la route, moi je suis une fière flic. Allez mon gars, policier c'est une vocation. Non, non, juste patrouille. Peut-être que c'est pas ma vocation à moi alors. 10-4. Et vous faisiez quoi dans la vie avant d'arriver au LSPD? Rien de très glorieux, je l'avoue, je l'admets. J'étais dans le Montana et j'étais malheureuse et je suis venue à Los Santos pour devenir une chic comme Et maintenant vous êtes heureux, c'est ça? Bah franchement, ouais, ça me va, hein. Moi, je suis contente, hein. Je m'épanouis au sein du LSPD. Tant mieux pour vous. 10-4. Tu penses que ta vie serait plus simple si tu étais plus beau? Je suis déjà suffisamment beau et ma vie est compliquée, mais pas pour cela. Et pourtant, tu dis t'as pas d'amis. Parce que j'en veux pas. 10-4. T'as passé ton PPDA? PPDA, c'est PPA plutôt, vous voulez dire, non? PPA. En effet, je l'ai passé et je l'ai réussi. Bon, comme vous, je l'ai échoué une fois, mais je l'ai réussi. Mais moi, je l'ai pas échoué une fois. Moi, on m'a dit que le capitaine, il devait voir ensuite. Parce que j'ai mis 3 balles dans la tête à l'otage. Et comme je suis une bonne tireuse, on m'a dit, ouais, on va essayer de voir et tout. Du coup, je l'ai eu cash. Insta. Direct. Parce que moi, wow, je chasse le grizzly dans le Montana depuis 16 ans à la M16. Je check les pièges à loups avant d'entrer chez moi. C'est ce que je veux dire, moi j'ai été élevé à la dure. RS, PES, explosion. Alors n'imaginez même pas moi. PSTDR. Toi tu faisais quoi avant d'être au LSPD? Différentes choses, dont l'armée. Ah ouais, t'es un vétéran, genre. T'as tué des gens? En effet. C'est quoi ta spécialité dans l'armée? Des choses. Mais t'as quel âge en fait? C'est quoi ta date de naissance? 35. T'es né en quelle année? J'ai 35 ans. T'es né en quelle année? 92 il me semble. Comment ça 92? T'es né en 92 et t'as 35 ans. Excuse-moi, mais là, il y a un gros calvaire sous la mais voûte, mon gars. Mais je me rappelle de... Écoute, je me rappelle là, de mon âge, mais un mon très âge... gros mais calvaire sous la voûte, mon gars. T'es né en 92 et t'as 35 très ans. Écoute-moi très bien. Et j'ai 35 ans actuellement, c'est tout ce que je sais, mais vu que j'ai pas d'amis, bah je fais pas mon anniversaire. Et du coup, j'ai pas besoin de me rappeler ma date d'anniversaire. De naissance plutôt. Plus personne ne fait mon anniversaire. Donc c'est pour ça que je connais pas ma date. Tu sais que chaque année j'ai un an de plus ou moins vers ouais vers mois de février, mais sinon je sais pas. Ouais. Et tu serais pas français par quel hasard jour, exactement? Archi pas. Je suis d'origine népalais et américain, voilà, en effet. Je suis d'origine. Et toi, tu as quel âge? Écoute-moi, clairement, au vu de tes réponses, je vais pas te dévoiler toute ma vie. Hein. Très bien. Bon, si ta date de naissance est toute ta vie, bah ta vie est bien minable. Ah mais je t'ai dit que je faisais plein de choses avant de virer l'SPD. J'ai 22 ans, voilà, t'es chiant. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'as 22 ans, ok, très bien. Et je suis né en 1997, idiot. Très bien, vous êtes jeune. Putain, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, enfin, attendez. Ouais, je regarderai ma carte d'identité après pour ma date de naissance. Putain, je suis con. Par contre, t'étais dans quelle armée du coup?
Dans l'armée du Népal. Non. Archifaux, je vais pas battre des ploucs. Le Népal, c'est pas forcément des ploucs, hein. Les Africains, ils sont fiers. Mais c'est pas les As. Ok. Le Népal, c'est pas en Afrique. Eh, salut Mitro, bonsoir à toi. Vous y rigolez ou pas, les gars? Mitro, il vient m'envoyer un message hier et il me demande ouais, c'est quoi le serveur sur lequel je joue et tout, ça veut gratter ou pas? Imaginez, Mitro, il débarque sur SLS. Ah, si tu veux, je peux négocier pour que tu viennes. Il faut que tu subs, mon gars. Qu'est-ce que t'en penses? Faut qu'il sub ou pas, Mitro? Je t'aime. Ok. Et du coup, t'étais militaire dans la USMC? Non, US... Non, US Navy. Ah, et tu faisais quoi dans la Navy? Navy... je m'occupais de la logistique. Et... Mais c'était quoi, genre, ton grade? Je bougeais. Caporal, il me semble. J'ai fini caporal. T'as fini caporal? Mais ouais, t'as commencé jeune, alors? Dès que j'ai eu l'équivalent du bac en Amérique, c'est-à-dire ouais, le A-level. D'accord. Et tu faisais quoi, en fait, comme conflit? T'as fait la guerre, tu me dis? T'as tué des gens, genre? Bah ouais. Ouais. Tu dois te rappeler quand même si t'as tué des gens, non? Genre des conflits auxquels t'as participé? Ah oui, j'ai dit oui, j'ai tué des gens, oui. D'accord, t'as fait quel conflit, genre? J'ai participé en tant que support à la guerre... comment ça s'appelle? Guerre d'Afghanistan, ouais, qui se terminait en... 2014. Ah, j'en fous, les gars, je suis morte. Ah mon dieu, putain, je kiffe. Gourresse, je vais faire un Wakandé, né en 90, j'aurais 46 ans. Ah mon dieu, quoi. Ah, j'en suis, putain. Waouh. Ah ouais, waouh, t'es genre un vrai guerrier, quoi. Et tu faisais quoi dans la Navy? Genre, t'étais au M134D au bout du quai, ou genre t'étais dans le porte-avions, genre? J'ai passé beaucoup de temps dans des sous-marins, non? T'as l'air sur fatal. L'eau. Non. Ça expliquerait pourquoi t'es toujours puceau, non? Des porte-avions. Dans les sous-marins. La puceau. 10-4. Je suis divorcé. Tu prends l'appel? À la speed, j'écoute. Ouais, il était trop rapide. En effet. Putain, j'en peux plus. Bon, en tout cas, c'est un régal de patrouiller avec toi. C'est quoi ton numéro déjà? Ah, de même. 27. Il s'est passé quoi avec ton ex pour divorcer? Bah, j'étais jamais là. Comment ça, t'étais jamais là? Bah, étant donné que j'étais militaire, bah, vu que j'étais tout le temps en dehors du continent, bah. Ça n'a pas résisté. En dehors du continent? T'es allé en dehors des Amériques? C'est ça. Vu que c'était la marine, en fait, l'US Navy, oui. D'accord. Pas dans 67 en direction de l'aéroport. Là, tu m'amènes une banque, s'il te plaît, je dois donner mon fric. Ah, si vous voulez me le donner, moi je veux bien. Non, t'es pas une banque, hein, même si t'as bien une tête de relevé fiscal. Merci pour le compliment. 10-4. Et du coup, tu t'es marié à quel âge, genre? Très jeune. Quand j'ai commencé mes études pour l'armée, parce que j'ai dans un premier temps fait des études, et une fois que j'ai eu mes diplômes, je suis parti
À l'étranger, voilà. T'as fait des études en quoi? T'as plusieurs diplômes? Waouh. Non, en gros, j'ai fait des études à l'armée directement. 12 ans en 2008. Ah ouais, des études à l'armée, genre c'était quoi, genre? Bah, c'est l'équivalent d'un bac plus 5 à l'armée. En gros, c'est qu'ils te forment, qu'ils t'apprennent l'essentiel, etc. Ah mais genre, t'es un thésard, genre t'es un ingénieur, quoi. Ouais. Attends, 36. T'es sûr t'es pas français? 19. Non. On parle pas français au Népal. Non. Je connais pas la langue, j'ai jamais appris. J'y vais très peu. Ok, c'est parti. LSP, j'écoute. LSPD, j'écoute. Il est pas bien. Il me fait rire, le pauvre. Arrêtez, on le torture, ça se fait pas. Excuse-moi. Pas de soucis. Tu veux conduire? Non, j'ai pas envie. Faut que je m'entraîne sur la radio, je suis pas doué. Très bien. Ok. Je vais faire mytho. Moi je vais faire de même. D'accord, donc vous avez un cadavre à l'hôpital, c'est bien ça? Faut rester hydraté. Ok, on arrive. Et du coup j'ai un peu. Je voulais vous en occuper 62. Si j'ai, un peu grillé. Fin de service. Vous pouvez répéter, 36? C'est un cadavre qui a dû être récupéré en zone 2. Ah, ça fait du bien, sans doute. Et normalement, ils ont mis du temps à retrouver. De manger aussi. T'as dit quoi? Donc voilà, vous voyez qui c'est, une façon spéciale de manger. Si possible. Je t'entends pas avec ta radio. Vous avez aussi une façon spéciale de manger. Merci. Est-ce qu'il y a une unité disponible? T'as dit quoi? Je t'entends avec ta radio, c'est horrible. 10-4, Adam 13, disponible. Bien pris. Putain, j'ai donné mon sandwich, putain, lol. Je disais... Quelles sont les instructions d'Adam 13? Toujours une patrouille, hein. Vous êtes combien, 13, dans votre voiture? On est deux, Dana, 34, terminé, de 13. Passez au central, récupérez 99. 10-4. Adam, 13, 10-19, secteur 1, 10-41. Non, 10-41 trop. Trop d'informations d'un coup, 13. Bon bref, on s'en fout. Du coup, je disais, t'as aussi une façon spéciale de manger. Ouais, 10-4. En effet, ouais. Putain, je viens de comprendre. Je passe devant à chaque fois dans GTA, je viens seulement de comprendre c'est quoi ce truc là. Oh là, putain, en 2 ans de GTA, je passe tous les jours sur le truc, je comprends pas, et là je le comprends direct. Faut vraiment que j'arrête la Yes Life là, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas sérieux tout ça, je me sens mal. Oh là 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 là. Alors, c'est quoi ça? Putain, mais il me spam de messages, connard! On voit ta pause. Je lui donne la pause, puis on se barre. Ouais, comme ça, il va venir là, je serai pas là. Waouh. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est un peu n'importe quoi là. Hein. En effet. Ah. Ah, y a des motos et tout. Préparation du transfert de fonds. Ça y est, c'est piraté. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Moi aussi, je savais pas ce que c'était. Depuis, je l'utilise tous les jours.
va direction l'aéroport, 27. Affirmatif. 10-4. Adam 13, direction aéroport. Adam. Oh, tu l'as pas dit dans la radio. Adam 13, direction aéroport. C'est 99 qu'on emmène à l'aéroport. Ainsi que moi-même, ouais. On doit enlever des barrières. Et 99, vous êtes quoi, le comme grade? Cadet, comme vous. Discade. Vous avez vu sa conduite. Vous voyez. Ah, mais oui, vous êtes le cadet qui fait des tourbillons au premier virage. Ça va, ça va. Et vous avez l'humeur qui boitait tout à l'heure. Il y a un peu la fatigue. Il y a un peu la fatigue et la vision un peu troublée, on va dire. 10-4. Je me suis trompé de paire de lunettes. Ah mais je vous ai remarqué, hein, vous regardez trop le rétroviseur. Hein. C'était pas moi, hein, c'était la route où il fallait se concentrer, 99. Hein. Waouh. Adam 34, 19. C'était pas vous que je regardais un dans le rétro. Vous regardez quoi, 99? Il regardait la mort. Je regardais derrière le ravin. Merci Dark Connard pour ton don de 2€. Je suis contente que tu t'épanouisses, Dark Connard. Puisse ton champ de vision et ton... J'allais dire un truc, mais c'est pas bien du tout, donc merci à toi. Ah, je suis une streamer sérieuse. Je suis pas grossière, je suis pas vulgaire. Je suis influenceuse. Je suis responsable. Salut à toi, Tweety. Bonsoir à toi. Bienvenue sur le live. Comment ça s'est bien passé votre patrouille à tous les deux? 10-4. On a fait connaissance avec Mola. Molène. Avec Adam Molette. Avec Boula Facette numéro 2. C'est quoi ça, Boula Facette numéro 2? Pourquoi on casse la barrière? Parce qu'il était chauve il y a pas si longtemps. Ça, c'est les cheveux, ça pousse. Bah commence, est-ce comme que tu connais Blaze Prime, Derkaz? Ouais, bah... Avance ton radio. Je plaisante, 27, hein. Je te taquine. Je sais. Ah mais tu peux le taquiner, il est solide, c'est pas un fragile, c'est un ancien vétéran, il a 35 ans le mec, t'inquiète, il est né en 2002. Il est né en 2002, c'est un vétéran? En effet. Ouais, ben... Non, je vais charroder 2002, c'est différent. Bon du coup moi je regarde faire. Vous faites quoi en on fait va voir si j'ai enlevé, il me semble tous les grillages. Bah en fait si on a... Non. On est censé enlever ces grillages. Et non, pas en mettre. Comment on les enlève? Pour ma part ça me donne des vertiges donc ouais. Waouh, comment tu faisais dans la navie? J'en avais pas. Nous avons un réseau. Nos partisans sont légion. Dinguerie ce que tu fais, dinguerie. Bah écoute, je teste mon matériel, hein. J'avais pas vu que j'avais tout ça dans mon kit. Ah mais c'est trop bien ça. Comme ça je suis en position de force. Bah ouais, comme ça direct, regarde. Prends un exemple sur moi, par tu vois. On est censé les retirer, pas en mettre. Bah, moi je sais les retirer, les mettre dans ma poche direct. Hein. Allez, alors regarde, boum. Et toi avec ta barrière, tu fais quoi? Vas-y, je te regarde, vas-y, on est là. Je suis sûr que c'est même pas la mienne. Regarde, moi j'ai tout enlevé. Et toi ta barrière? Mais si, celle de gauche c'est la tienne, celle de gauche c'est la tienne, celle-ci c'est la droite, c'est la mettre le bas qu'on a fait en dégradé. Mais j'arrive alors, pas à l'enlever. Waouh. Désolé. Waouh, franchement par contre, waouh. Waouh, je me suis brutalisé, waouh. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Je sais pas ce que tu fais, franchement calme-toi direct. Hein. Désolé, moi c'est vrai, ça suffit. Je me sens pas bien par contre, là faut que j'aille voir un médecin. Hein.
Là, mon capital santé, il est limite réduit de moitié, là. Aïe, vous voulez à manger? Ah, je suis désolé, Trey, j'ai pas fait exprès, j'ai eu un spasme. Je le prends pas trop mal, mais je me sens un petit peu blessé, quand même. 34. Bah, c'est le cas de le dire. 34, fin de service. J'arrive pas à enlever cette merde. Ouais, repose-toi bien, Dana, épanouis-toi bien. Radio 13, c'est pas un jouet. 10-4. J'ai réussi à l'enlever. Pour ma part, je peux pas, parce qu'il me semble que j'ai fait une sieste entre temps. Ouais, j'avais un peu la petite tête qui tourne. Merci Ryzen YouTube pour ton gift, pour NewWiki, pour son 15ème mois. Re-bienvenue toi dans la confrérie, NewWiki. Confrérie ! Et merci Ryzen pour ta générosité. Je regardais si Dark Connard c'était le tyrannosaure sexuel, mais c'est toujours Joel McCreese qui le domine. Hein. Je vérifiais simplement. Ah putain, on va faire moins des barrières et tout, putain, c'est chaud. Mais du coup, pourquoi on met des barrières comme ça? Non, parce qu'en fait, il y avait les barrières parce que c'était pour l'événement de Restless Event. Ah, regarde, on va le trôner, on va dire. Tu viens? Je t'attends. Alors qu'on est pas du tout là-bas. Ouais, t'exagères, Crash Nemesis quand même. Hein. Je préviens radio. Ouais, préviens radio parce que moi j'ai réussi à enlever les miennes. Très bien. On ira faire le tour là où on était. 27 pour 69. T'as pas entendu radio, je veux faire l'appel pour toi. Bah vas-y, parle plus fort dans la radio. De 99 à 69. À l'écoute. Avec 27, on a un souci pour enlever les barrières. Je peux pas aller enlever les siennes. Attendez. Il va péter un plomb la merguez. Préparation du transfert de fonds. Ça y est, c'est piraté. Par contre, hein, vous auriez pu y aller mollo avec le taser. Je me suis pris une charge dans la tête. Je crois pour être tyrannosaure sexuel. Sexuel. Tu vas bien? Excuse-moi, je vise la tête souvent parce que moi, dans le Montana, je chassais le grizzly, tu vois. Je sais que t'es une très bonne tireuse, 13. On t'a vu, enfin, je t'ai vu au caddie royal. Tu vises très très bien. 10-4, merci, c'est gentil. C'est un ouais, bon t'es point, pas macho, ça fait plaisir. C'est un bon point. J'ai mis 3 balles dans la tête de l'otage à mon PPA, t'inquiète. Ouais, mais j'étais avec toi pendant mon PPA. Je l'ai eu, toi non, ce jour-là. Bah oui. Terrible. Surtout le. Ouah, headshot! 3 headshots dans l'otage. Moi j'en pouvais plus. 67, 10, 19. Ouais, mais je savais pas, je pensais que c'était un décor moi. On m'a pas dit que c'était un otage. Hein. Ah, moi j'ai bien rigolé, mais l'instructeur lui il était pas content. Ça va m'énerver cette merde. Saute parce que je te vois un peu faire n'importe comment. Ah, ouais, non, mais je vais le rendre fou les merguez. On peut repartir. Effectivement, ouais, c'est Dark Connard qui passe tyrannosaure sexuel ce soir. Merci à toi, mon cher Punzor. T'as dit quoi? Je t'écoutais pas. On peut pas tirer sur les. Il doit aller prendre un doliprane. Ouais. D'accord, moi, je vais conduire. Bah, on fait un 10-19 alors, vas-y. Ouais. Merci. Mais du coup, on informe que ta barrière, t'arrives pas à l'enlever. J'ai informé 69. Va falloir faire plus de muscu, hein, parce que le vétéran là. Je sais pas ce que tu faisais à l'armée, mais...
Ah ouais, je me touchais et tout, c'était lourd. Ça m'étonne pas, hein, c'est pas capable de lever une barrière, tu fais comment avec les femmes? Bah c'est lui qui se fait lever. Ouais, dinguerie. Ouais, dinguerie. Dinguerie de ouf. Ah mon dieu. C'est pour ça qu'il kiffe les bodybuilders, parce qu'il aime se faire lever. T'es toqué. Ah t'aimes les bodybuilders et tout. C'est les meufs qui sont musclées, ça non? 39 à 99 du coup pour barrière ça va ou pas? Madame 13, négatif, il a pas réussi. Parlez pas tous à la fois. Bien pris, au pire c'est pas grave, laissez-les là, on viendra les chercher tout à l'heure. 10-4. 22 fans de patrouille. Bien pris, 22. Merci Dark Connard en tout cas pour ta générosité. Et soyez tous témoins, mesdames et messieurs, que Dark Connard est le tyrannosaure sexuel du live ce soir. Merci encore à toi en tout cas, mon fier Poundor, il est tout en bas, je vais ma quiz. Tout se passe bien ? Je sais pas si m'entends. Peut-être voir si on peut les aider. Tout va bien, monsieur. Aïe aïe. À la SPD. On a un véhicule qui est de ce côté-là. Tout va bien, monsieur. Non, faut pas. Putain, pourquoi il a tracé ce con? Oh, bon, faut pas voir ton transport de l'autre côté. Hein. Ok, je ramène l'ambulance. La police, vous pouvez essayer de bloquer la circulation pour qu'on puisse. Oh, ça va être con. À bloquer la situation, les gars. Mets des barrières. Je peux pas me prendre par derrière. T'inquiète pas, ça va aller. Oh, ma nuque. Eh, je vais en mettre combien, c'est un délire. Ouais, j'en ai mis masse. Eh, je sais pas, je suis pas limité en fait, je comprends pas. Eh, ça marche bien, n'empêche. On peut mettre des cônes avec, genre, ou pas? On peut mettre des cônes. Merde, j'ai déconné. Je me suis trompé, je suis retard. C'est quoi le délire? Préparation du transfert de fond. C'est quoi le délire là? Ça y est, c'est piraté. Ils ne verront pas qu'il leur manque. Excusez-moi monsieur, mais la situation est bloquée. Non mais vous voyez pas la file que vous êtes en train de créer là? Ah c'est pas pour dire, mais là il y a des. Il y a un monsieur à terre, donc vous voyez ma santé. Ah monsieur à terre. Cassez pas mes côtes. Wesh, il y a des centaines de véhicules là qui attendent. Et alors, c'est pour éviter le suraccident. Ouais, Fouzi, c'est quoi ce délire là? La situation est bien en main là, monsieur, vous inquiétez pas. Ouais, la situation elle a rien en main du tout là. Oui, du tout. C'est pour protéger les citoyens, monsieur. Wesh! Mais c'est quoi ce bordel? What the fuck? C'est qui fait des bruits bizarres là? Apparemment, y'a quelqu'un à terre. C'est celui qui fait crier là. Apparemment, y'a quelqu'un à terre et du coup, il bloque toute la situation. Bah, dis-lui qu'il souffre en silence. Oui, bah, excusez-moi. Au lieu de penser qu'à vous, y'a quelqu'un qui est blessé là, monsieur. Eh, oui, y'a quelqu'un qui est blessé, y'a pas besoin de. Et on le tase et on le laisse se faire écraser. Comme ça, il va comprendre. Ah, ok, d'accord. Attends, vas-y, je filme, je suis le producteur, je filme, vas-y, tase. Ouais. Vas-y, filme. Bah, vas-y, porte tes couilles maintenant, tu parles. Moi, je m'en occupe pas, Ah, je kiffe. Ah, les barrières, elles sont trop efficaces, ouais, ça, je kiffe. Regardez-le, il va enculer la barrière, il peut pas. Mon barrage, il est trop fort, genre. Non, mais la glissade. Bouge un peu, arrête de bouger. Voilà, bon tout, c'est bien. Soyez sérieux, monsieur, s'il vous plaît. Là. Voilà. Comme ça. Wesh. Pourquoi tu t'as posé? Appelle la police d'Algérie. Pourquoi vous privilégiez par le dialogue au lieu de tenter comme les parlementaires? Je suis pas sorti. Monsieur, vous faites ça, mais alors, vous êtes pas dans la situation. J'ai le cœur fragile. Que puis-je faire pour vous?
Oui, mais ça peut plus m'attasser. Monsieur, vous répondez au téléphone, pas sur la route. Vous pouvez circuler, s'il vous plaît. Eh, enlevez vos barrières là. C'est pas comme si vous barrières. Passé, vos barrières là. Enlevez les barrières. Oui, le tout cul, si tu veux. Là, y'a pas de barrières. Les barrières. Mets-toi sur le côté, merguez. Mets-toi sur le côté, je vais te laisser là. Écoute, C18, tu vas te calmer tout de suite, d'accord? Non, c'est pas mon qui te respect. T'entends? On se détend, monsieur, d'accord? C18. Ah, je suis mort! Voilà, on se met de ce côté. Arrêtez de l'autre côté, derrière, Ouais, clairement, je suis c'est plus en sécurité de ce côté que de l'autre. Hein. Bon, okay, 13, on va enlever les barrières et on y va. C'est 18, c'est quand qu'on se fait ce petit truc, toi et moi là? Toi même, tu sais? Allez hop. 18? C'est quand qu'on se fait ce petit truc, toi et moi? Moi, je suis pas intéressé par le secret là. Ah là là, on y va. Oulala! Ouh là là. Mais pourtant c'est pas ce que t'as dit la dernière fois hein. Oh écoutez monsieur, moi je travaille là d'accord. Je suis en service, ok. Mais pourquoi tu... J'ai dit tu m'appelles pas monsieur. C'est seulement comment quand tu on est tous les deux comment en, tu t'appelles, en privé. Comment tu t'appelles, comment tu t'appelles. Comment je m'appelle, comment je m'appelle, comment je m'appelle. Ou je te change je ton nom. Je m'appelle Fouzi, je m'appelle Fouzi. Fouzi. 99 ou 13 on y va, laisse-les tomber. Ils cherchent pas à comprendre. Arrogantsta, attends, on se capte plus tard. Arrow Gangster. Adam 99. Waouh, c'était intense. Je voudrais aller à l'hôpital, moi je suis blessé. Hein. Le mec là, qui s'appelle Funky, là, il arrête pas de me demander mes trucs. Là. Il veut sortir avec moi, on dirait. C'est waouh. Et toi, tu veux ou tu veux voir? Je sais pas bah, si sais pas trop, si il t'as un remarqué peu 13, mais bah, depuis tout à l'heure, il te manque de respect en t'appelant C18. Tu sais ah ou ouais, pas c'est vrai. Non, je connais pas C18, c'est quoi? Ah, je sais ce que c'est, mais on revient mon personnage. C'est un robot. C'est une chaîne de télévision. C'est un robot. Ah bon, c'est ah non, quoi, c'est un robot. C'est un robot dans un dessin animé. Ah d'accord, pourquoi je suis un robot? Ben, je sais parce pas, il considère comme un robot. C'est ah d'accord. Oh, c'est blessant ça. Ah ouais, je pensais qu'il était gentil. Juste pour ça. Ne tasse pas comme ça, 27, parce que sinon ça fait le capitaine Madriga. Le capitaine Madriga. Oui, Madriga je sais. M'a dit. Je sais, mais tu sais très bien comme moi qu'ils font la polémique pour rien. Je m'en bats les couilles, je suis pas son toutou. Oui, t'as bien fait pour ça, mais... La meilleure des choses, c'est l'ignorance. Je peux avoir des chaussures. Ah, je suis son PD, MDR. Merci Résine d'avoir fait un second tir à Kezan pour son premier mois, Kezan. Bienvenue dans la confrérie. Bon, fais ce que tu veux, Taz. Ouais, enfin, moi je suis un peu d'accord et un peu pas d'accord. Parce que, en fait, oui, c'est vrai qu'il a été un peu impulsif, mais c'est vrai aussi qu'il nous parle trop mal et qu'il a dit le captain qu'on n'était plus des tarlouses. Alors si toi tu vas être une tarlouse. Exactement. Et te faire marcher dessus par n'importe qui alors que tu portes ce putain d'uniforme, et bah c'est ton problème. 13, je veux bien être respectueux avec les gens, mais me traiter de tarlouse, c'est toi qui vas te prendre le coup de taser la prochaine fois. Mais non, mais c'est le capitaine qui a dit ça, il est témoin un truc. Non, non, parce que moi la prochaine fois je lui casse les jambes avec la matraque s'il faut. C'est pas, je vais... Là c'est juste j'essaie de calmer le jeu pour qu'on sorte de l'autoroute. Je le déclenche, il en plus là-bas. C'est tout. Non, mais c'est pas question, on fait les tarlouses, machin. Si on va pas se battre au milieu d'une autoroute, on peut risquer la vie, puis on sait jamais comment ça peut se passer aussi. Non mais t'as raison. C'est juste que des fois il faut être ferme et montrer qu'il faut pas se laisser marcher sur le pied. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un bon message qui est passé. Je suis tout à fait d'accord. Et peut-être que c'est vrai que le coup de taser sur le coup était un petit peu démesuré. Dans la mesure du possible. Ça marque les esprits. Oui, après ça marque les esprits. Moi honnêtement, 27, j'aurais été toi, j'aurais cassé les genoux avec la matraque. 67 fin de service, je reste à dispo radio. Hein. Donc tu préfères justement casser les genoux avec la matraque plutôt que le taser. Ouf. C'est ça. C'est pire en fait. Ah non, moi je préfère casser des genoux, moi ils comprennent direct. Le taser, des fois ils s'en souviennent pas. Non mais attends, et après tu dis dans que la réaction burnes. Elle est démesurée quoi. Tu veux lui casser les genoux à coup de matraque. C'est ça. Il comprend plus rien là. Moi c'est ou tout ou rien, c'est faut choisir. Ça n'a pas beaucoup marché avec les femmes. Ah, hein. Moi c'est... Ah. Il lâche tout d'un coup, ah ok.
Allez, on va accompagner 13 quand même se soigner. Après, faut qu'on repasse à l'Espizy, j'ai quelques vertiges. Accompagne-moi, Sbire. Ouais, y'a pas de soucis. Toi aussi, t'es une Sbire, hein. Attention. T'es tous dans le même panneau. Oh merde. Ah merde, faut que j'ai tapé. Excuse-moi, mais quand bon, j'ouvre la porte. Dessus. Non, non, je suis désolé, c'est une erreur. J'ouvrais la porte et tout, j'ai pas fait exprès. Non, mais c'est pas grave. Eh, pardon. C'est une petite vengeance du coup de lampe torche, t'en fais Ah, mais c'est une maladresse en plus, je me fais exprès. Dring, 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 dring. Faut appeler le médecin. Ah, et je crois qu'il y a quelqu'un. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Je suis un petit peu bizarre, la femme des soins à ma collègue 13. J'ai pas tout compris, là, vous avez parlé en même temps. Soignez-moi le visage, s'il vous plaît, monsieur. Je rame des gencives, elle a besoin là, je de soins au niveau du visage, s'il vous plaît. Ah, ok, ok. Je suis un coup au visage, monsieur. Je rame des gencives. Ressortez... Soignez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Ressortez une petite seconde. Oui, oui. Je... Juste mes collègues sont occupés. Je vais demander que l'un d'eux vienne vous soigner. Waouh, les mocassins, waouh. Oh, j'ai les yeux en kikine de poupousse là. Je sens le malaise sur mon visage. Vous êtes excité, 13? 14, je suis énergétique, monsieur. Tu peux t'occuper de la dame? Ouais, oui. Bonjour, madame. Bonjour. Waouh, vous êtes belle, waouh. Du coup, je vais vous demander si... ce que vous avez eu. J'ai reçu un coup visage, monsieur. Mon collègue, il m'a frappé. J'appelle monsieur. J'ai pas fait exprès. Hein. De la crème, est-ce que vous pouvez vous mettre accroupi, s'il vous plaît? Pas devant tout le monde, hein, monsieur. Hein. C'est madame. Je regarde. Madame. Discade. Vous êtes belle avec vos lunettes, madame. On peut pas s'isoler, madame. Je vais pas me faire soigner devant tout le monde, là. venez, venez. Discade. Full malaise. Derrière, sans mal. Pardon, je sens mal. Bonsoir. Oh mon dieu, quoi. Ça. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Très bien, vous voulez que je fasse quoi, madame? Mettez-vous accroupi juste pour que je vous soigne le visage et pas la jambe. Discal, voilà. Très bien. Ouais, j'ai reçu un coup et tout, waouh. Mon collègue, il était brutal. Bah, j'imagine, hein. Ouais, il comprend rien, il arrive pas à lever des barrières. Voilà, ça va mieux. Ah ouais, tout de suite, ça va mieux, madame. Merci. Ah, vous nickel. Êtes nouvelle dans l'hôpital? Oui, ça fait 2-3 jours que je suis ici. D'accord. Vous faisiez quoi avant, madame? Je vous ai jamais vu. Ah, j'étais vigneron. Ah, d'accord. Ah, ça explique un peu le teint, ouais. Vous passez beaucoup de temps au soleil, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, très bien. Bah écoutez, au revoir alors. Bah au revoir. Merci. On va dire rien. Venez. Pardon. Place, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Aïe. Pris la pète, viens. Allez, on va se mettre là. On ok, c'est bon. Ouais, je me sens comme neuf là. Disquette, lourd. Elle se sent réparée. Non mais arrêtez avec le truc de robot là. Et moi je vais être blessé à force. Hein. Et... Je suis pas un putain de robot là. L'autre merguez il va prendre cher. Je mais plaisante c'est pas bon, 13. Fait. Je plaisante. M'appelle C18 là. Je suis pas un robot là. Il va voir l'autre. Je l'enculé ses joues pareil à coup de matraque. Ouais, je t'ai... Bien vu. Et ça laissez-vous plus faire. Ah voilà. Et après tu me dis pourquoi tu l'as tassé? Parce qu'il l'a mérité. Logique. Mais pourquoi tu l'as tasé au milieu de l'autoroute? Je suis qu'un PSG. Parce que ça, la question, tu vois, tu te fous en danger aussi. Je m'en bats les couilles si les voitures repartent. Mais c'est lui qui se fait écraser. Écraser après, c'est. Écoute, voilà. Passion. Mais il y avait merci des Dark, merci Ryzen d'avoir fait un second tir à Dark. Faites gaffe, c'est un troll, Dark, on dirait. Hein, c'est pas le second compte de Dark Honor. J'ai peur. Ça y est, 27. Commence à devenir violent et tout. Qu'est-ce qui se passe, 27? C'est normal. C'est parce que ça le frustre de pas pouvoir lever une barrière. Il se vénère à cause de la barrière. Ouais, je pense que. T'as des petits bras, 27? Je suis rameau. Alors, j'ai les gros bras, j'ai ta popée, ok. Tu quoi?
J'ai des gros bras. C'est quoi? Des gros doigts, il dit. Bras, j'ai des gros bras, là, j'ai tapé au play. Crache-moi dessus, je te lance une bouteille, dit. C'est une musique. C'est toi qui l'as demandé, hein. Ah. Aïe. Aïe. Le non-respect, t'as craché dessus. Mais il a demandé. Ah bah ouais, hein. Il avait besoin un peu de baveuse. Ah mec, il dit crache-moi dessus, mais moi mon personnage a dit crache dessus les gars, attendez. Ça me fait un peu chier pour Madrigas que tu m'as dit tout à l'heure, 27 ans. Oui, moi aussi. En effet, je suis très d'accord avec toi. J'espère qu'il va revenir. Ben, j'espère aussi, hein. Et pense à t'essuyer quand même, 27 ans. Je compte m'essuyer une fois arrivé au LSPD, je vais aller me laver. LSPD, pas LSPD, mais pas les Tarlouses. Non, mais c'est police départementale. Non, police départementale. Ah, les gars, j'ai une mauvaise influence, les gars, c'est pas bon. Hein. LSPD, oui, mais faut dire à l'américaine. LSPD, quoi. Ah, ok. Alright. Elle n'est pas américaine, elle n'est pas là. À la base, elle vient d'Afrique. Non. Non, non, mais le Népal c'est en Asie et je suis quasiment plus. Enfin, je suis plus américain que le Népal. Discard. Ouais, anyway. Ah, la femme a dit, elle te trouve que tu sens bon en plus. Ça m'intéresse pas. Ah. Police départementale, j'avoue, c'est chaud. Ah là là. Et le monsieur, la merguez, comme vous l'appelez, il essaie de vous draguer ou... Moi, il y a mort, ça fait des semaines, j'en peux plus. Je l'ai tasé, je l'ai menotté, le mec, il en demande. Il est peut-être sadomaso, hein. Je après, c'est, pas, hein. C'est vous qui traite de robot, mais lui, là, lui c'est... Bah, c'est un toutou. Il tue à la trace. Ah ouais, c'est mon toutou. Ah ouais, c'est vrai, en plus, il me suit à la trace. Je lui ai donné plein de coordonnées pendant ma patrouille. À chaque fois, il venait, il me dit, ouais, t'es où, t'es pas là, je te vois pas. Et je lui en donnais une autre, et il me suivait partout. Il dit bon je vais aller au lit moi, bonne nuit, je vous dis dors bien toutou. Ça lui fera les pieds. Tiens, tu mets une corde autour de ta matraque et tu l'attaches comme ça. Hein. Ouais je sais pas trop. Ouais il en met du temps là, qu'est-ce qu'il fout l'autre? Mon avis, il fait pas que s'essuyer le visage, hein. À mon avis, le fait que tu lui aies craché dessus, ça l'a excité un peu. Waouh. Ouais, mais bon, waouh. C'est pas le but, quoi. T'as l'air d'avoir quand même pas mal de fans, hein, 13. Ouais, j'en ai. Ouais, c'est lourd. Hein. Pff, des fois, c'est pas. Et du coup, il y a pas après, le capitaine. On est patrouillé. Ouais, carrément, ouais. J'ai pas vu le capitaine. J'ai vu que le lieutenant aujourd'hui et 34. Et j'ai entendu 67 à la radio, c'est tout. 10-4. On est que des cadets là, après, avec le lieutenant. Il y a aussi 69 en sergent. Après, on est 3 cadets et 2 agents. 47, 22. Et après, nous 3, on est cadets. Ouais, c'est bon. Alors, tu t'es bien essuyé? Ouais. C'était pas vrai. J'ai dû changer de tenue en plus. Ah non, mais moi je te parlais de t'essuyer le visage quand elle t'a craché dessus. Hein. Pas quand oui, tu mais t'es ça, craché ça dessus. Je ne me suis point craché dessus. C'est elle qui m'a craché dessus. Et ça a dégouliné sur ma tenue de travail. De ce fait. Et j'ai décidé de changer de tenue de travail afin d'éviter de rester
confronté à sa bave. 10-4. Exactement. 10-4. Du en coup. Tournant patrouille. Voilà, okay. Exactement. Le dernier qui arrive. 27, conduit. Tu conduis. 27, il reconduit encore. Et 99, c'est bon, on prend l'ascendant, j'en peux plus. Putain, 27, il reconduit, le mec, moi, il a me conduit. Derrière un peu. Ça fait 3 heures, il conduit, le mec. Moi, je préfère me mettre derrière si tu veux bien. Fais les annonces, 13. 10-4. Ensemble. Oh là là. Venez, on change de véhicule. Vas-y, vas-y, on va changer de véhicule. Vas-y. Merde, je vois le coffre. Merde. Allez, vas-y, je vais rentrer, putain, pour que ça rentre pas. Ok. Et y'a plus mon véhicule. Et. Plus. Ouais, y'a plus le mien non plus. 13, tu fais l'annonce? Adam, 13, 10, 41, secteur 1. Je suis avec 99 et 28. Ouais, 27. C'est bien pris, 13. 27. Et 27. Waouh. Tu vas voir au Madcar si on peut pas voir s'il y a quelqu'un. C'est jamais si. Une disquette. Passe un truc. Merci Darkonet en fait pour les... Ah mais j'ai pas vu, mais lol, mais j'ai zappé ça. Mais c'est une blague. Merci Trapzor pour les 30 euros, c'est pas assez Darkonas. Mais je t'aime mon fier Pounzor, je t'aime. Et merci Darkonet pour les 20 euros de plus, les Darkonas te passent à la trappe mon cher. Oh il t'a Pounet. Oh Trapzouf. Ah ouais. Next Pounzlove. Ah ouais c'est chaud. Putain lui par contre il encule toutes les voitures quoi. Soyez témoins, mesdames et messieurs, que Darkonard est toujours le tyrannosaure sexuel du live. Trapzouf s'incline. Trapzouf pose le genou à terre dans la défaite. Et Darkonard. En tout cas, aucune activité apparente. La plus grosse. La plus grosse. Le plus. Fait un petit tour. Hein. Les plus petits bras. 10-4. Vous voulez vous balader quelque part? Moi je me balade pas, moi je travaille, mon gars. Ah ouais, tu travailles quoi, lourd de ouf. Il rage le mec, il en elle peut plus. Elle est très sérieuse, 13. 10-4. Elle fait pas de balade. Chips. De la coca, quoi. Exactement. Comment ça, chips? On s'est compris. Wow. Et racontez-moi, là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit 10-4 en même temps. Et bah, il y a une culture qui fait que quand on parle en même temps, et bah, on doit dire chips, soda, coca, cola, light. Ou juste chips, ça dépend des endroits. Mais de ces faits, bah, on a dit chips comme ça, t'as un gage. Waouh. Ouais, et du coup, c'est quoi son gage? Moi, je préfère le whisky. Hein. Ah, vous. Là, tu payeras ta tournée de whisky. Hein. Vas-y, on va voir. Moi, je suis pas non plus anorexique du portefeuille, mais bon, faut pas non plus déconner. Hein. Non, mais. On parle d'une tournée, pas 15 000 non plus. Je suis pas un poivreau. Hein. Ouais, enfin, vous êtes des gars, vous payez. Hein. La grosse meuf et tout, aucune gêne. Si tu veux, si tu veux. Voilà, c'est bien. Pas de toute façon, maintenant, moi je suis riche de ouf. Je suis riche de ouf. En plus, c'est pas tous les jours qu'il doit payer. Moi, des pas mères, tellement 27. En ce moment, mais. Ah, comment? C'est pas tous les jours qu'on fait quoi? Que tu payes des verres. Ouais, en vrai, ouais, de ouf. Je payais jamais rien. Vu que t'es divorcé, genre. Et si on passait au Nemtai pour aller chercher des menus? Non. 10-4. Tu mets le GP. Ah, c'est bien, ça m'ajoute bien, j'ai plus beaucoup à boire mais en plus. Écoute, j'ai une idée de ouf. Dans le coffre, Madame Kyle, enfin la capitaine Kyle, excusez-moi, elle a mis à manger. Venez, on va. Ouais, arrête de dire Madame Monsieur parce que tu vas te prendre un coup ouais, de taser. Ouais, Monsieur, faut mal pas dire ça. Hein. Il l'a dit en plus, le lieutenant Talley là. Tanley, non, c'est le capitaine maintenant. Mais du coup, oui. Capitaine Thales, il a dit qu'il fallait pas dire monsieur et madame.
Oui, très bien, je dis excusez-moi. Parce que 13 s'est fait taper sur les doigts à cause de ça. 10-4. Ouais, moi aussi. Je risque une suspension de 48 heures. Toi, t'as fait 40 pompes depuis que t'as commencé à travailler. Ouais, mais il faut, c'est important quand même, faire des pompes. Mais du coup, très bien. On va récupérer dans le coffre du Trapbus. Non, on va acheter nos propres menus. La première ligne c'est pas très cher, 8 menus c'est pas cher, il vaut mieux, je préfère éviter d'aller piocher dans le coffre du sans autorisation d'un merci Trapbus, et regardez ça a marché le coup dans l'ego là. Moi j'assume, c'est rien, c'est arrangé, limite je repaye, c'est rien. Merci Trapzor, bisous toi mon fier Punzor, merci pour les 20 donations, merci à toi. Tu passes tyrannosaure sexuel du live et Darkona s'incline dans la défaite. Il tombe, il s'écroule Darkona fébrilement sous la puissance de Trapbus. LS, Police Department. Ok. En fait, au début c'était une boutade, mais à force de faire cette boutade là, ça devient. Tu l'as gardé en bouche. C'est ça, ouais. Ah, mais toi tu penses trop qu'au sexe, genre. Quoi? Au sexe. What? Mais t'as vu ce qu'elle. Mais je sais pas ce qu'elle invente. Excusez-moi, hein. J'ai pris la conversation. Mais Mais c'est vous! C'est toi, 13! J'ai entendu un truc! Oh putain de merde! Oh, je suis un merde! Je pense qu'elle a compris autre chose de ce que je voulais dire! Mais en fait, c'est elle l'esprit mal placé! Non, mais je suis désolé! Waouh, non mais depuis que je suis arrivé à Los Santos, c'est un peu la débauche, genre waouh. Je le savais pas comme ça à 13, hein. Moi non plus. Ah vas-y, c'est de la merde, j'ai honte, putain, je me sens mal. Trop épanoui, vas-y, tais-toi, je me mute. Garde-toi derrière, sur derrière, vers le palmier. Oh, t'aurais pu te garer juste devant, mais c'est là l'autre. Pas devant en fait. Hein. Là, c'est le parking des employés. Comment on fait pour commander là? Moi, je veux un truc avec des baguettes, genre les trucs africains. Là. Bah, non, c'est asiat. Mais tu demandes à la personne qui est devant. 10-4. Moi, je suis américain, j'ai du Montana, je connais mal le monde, moi. America fuck yeah. Les asiatiques, ils sont pas noirs en fait, ils sont. Ils sont jaunes. Ils ont les. Comme moi. Ah, c'est les Allemands, genre. Okay. Eh bonjour monsieur. Non. Eh, vous êtes allemand monsieur, bon, j'ai acheté pour des nouilles. Commandez des menus. Comment? Bonjour. Allez, monsieur, vous êtes allemand, j'ai commandé des nouilles africaines monsieur. Désolé, on fait pas elle des connaît nouilles. Pas elle connaît pas beaucoup monsieur Thaï, hein, c'est. Les menus de mais base. Vous appelez monsieur Maï? Vous savez que. Oui, je suis monsieur Thaï. Enchanté, vous monsieur Maï. On a passé que. Pas de soucis. Vous savez que j'ai passé un contrat avec la LSPD? Que vous avez des oui. Menus. En fait, c'est ce que je leur dis. C'est ce que je leur dis, mais ils me disent non, on n'a pas le droit de toucher, etc. Mais oui, mais ah, si, bref. Si, c'est justement pour les pour tous les agents y... de la LSPD. Hein. Parce que moi, j'ai bien goûté. Très bien. Autant pour les cadets que les plus gros. Nous on est cadets, du coup on j'ose pas comment dire. Oui c'est bon, suivez-moi. Il manque de balls, c'est un peu. Vous avez un sac, il faut demander monsieur. Suis-moi. Demandez un gradé qui vous ouvre le frigo. Non le frigo il est déjà accès au frigo il me semble. D'accord. Bon on va y aller. Merci quand même monsieur Thaï et désolé de vous déranger. Bonne soirée. Putain vous faites trop rien. Au revoir monsieur Lai. Que l'heure. T'as la manipulation d'ego masculin, j'ai des dons de 20 euros quoi. Ouais, wow. On y va, tout le monde à bord. Ah j'en peux plus putain. Et par contre, Trapzou, je peux plus rien faire pour toi. En fait, Trapzou, dis-nous ce que t'as pensé, quand j'ai dit ça à 27. Attends, j'ai fait ça. Parce que bon, j'aimerais bien savoir, comment dire, je suis pur en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, il se fout de ma gueule l'autre là.
Merci d'un connard pour le don. Comme les Afghanistan diraient, bah, ils diraient machallah. Je t'envoie vers d'autres cieux, boum, incline-toi. Bisous à toi, d'un connard, mon frère Punzor. Tu es le tyrannos insexuel d'un connard. Merci à toi pour ton soutien, je t'aime. Et Trapzor s'incline face à la puissance de Dark Connard. Franchement, on a des trucs spéciaux quand même. Ouais, merci à toi. J'avoue. Merci beaucoup à toi, Dark Connard. Tu es le meilleur Dark Connard. Trapzor, il en peut plus. On va devenir sérieux et tout. On va être là. Bah, du coup, tu disais, je t'écoutais pas. Hein? J'écoutais pas, du coup, tu disais quoi? Je disais, pur, genre. Qu'est-ce que je tu savais pensais, compris que t'étais puceau, genre, ça se voyait, genre. Tu manquais de balls pour ouvrir le frigo du LSPD. J'ai dit pur, ça veut pas dire puceau, hein. Ça veut juste dire que je dis pas des trucs de ça cul, veut dire quoi. Que c'est pas. Oui, enfin, halal. Tout à l'heure c'est sur le vestiaire halal. Là, avec 27, c'était quand même plutôt clair, hein. Waouh! Si je sais, c'est oh qui. Là là. C'est qui? Monsieur Jurgaï. Attention, attention, un kikou a été détecté. On voulait te demander le fond de ta pensée. Qu'est-ce que tu as pensé à ce que j'ai dit à 27 juste avant qu'il l'ait pris en pleine bouche. Quoi. Moi je suis impressionné. Hein. Qui... Ah non, j'avais dit qu'il lui était resté en bouche. Tu parles des nouilles africaines? Non, à force de dire LSPD, LSPD, ça lui est resté dans la bouche. 10-4. Ça regarde que lui, hein. Il va bien s'entendre avec 42. Avec qui? 42. Ah ouais. 42. Pourquoi il est PD? Il est PD 42. 10-4. Il est Calipo, Calapo, comment c'était ça? Capello, à Capello. Allo? Calipo. Il est Calipo quoi, il est pas trop sorbet genre. Toi t'es sorbet ou t'es Calipo? J'ai pas trop compris. Actif ou passif en gros, c'est ça? Non. Oh c'est gênant. Il est où le frigo là? Il est passé où? Je crois qu'il est en bas. Je crois qu'il est dans le bureau mais... Oh! Ah! Ça va 13? Ouais ça va, ouais c'est bon. Ouais, je peux pas piocher dans le frigo. Et j'ai, pas le, j'ai pas de, le badge. Tu veux que... Punaise. Mais, écoute par contre, j'ai vu tes têtes de haie. Sous de nous, y aller, moi je peux. Touche moi, pas vas-y. Les têtes de oui. J'en récupère 5. Mais y'a pas que mais ça. Mais pousse-toi. Cannabis. Je peux pas. Oui, bah c'est juste des plantes, ah ouais. Faut pas y toucher, c'est tout. C'est les plantes du capitaine. Mais viens, on y prend. Ah non, viens, je peux on les prend pas, et on fait pas. Du cola avec. Non, mais non, toi, non, tu vas te faire non, virer, mon gars. Hein. Ah, mais t'as cru quoi là en je fait hein. C'est le LSPD, c'est mon gars. Boutade. C'est pas le centre aéré ou Disneyland, hein. On est pas dans ton Népal c'est... d'Afrique là. Putain, le vétéran de l'armée, un peu de sérieux, non, un peu de discipline, non. Ceci était une boutade. Moi je vais t'inclure dans mon rapport, je vais te charger, tu vas voir, je vais te torpiller mon gars. Tu vas te faire poncer le cul par Captain Nabila. Très bien. Et moi je vais avoir des. Je vais avoir des éloges ou je vais me faire défoncer aussi? Non, moi je dirais rien sur toi, genre. Moi j'ai commencé un service ici, si vous voulez voir le dernier ce sera probablement ou une prochaine fois. Bah prochaine. À la prochaine, bon courage. Allez. Et bon courage pour très refaire bien, ton prochaine. Exercice de conduite aussi. Et je l'ai reçu. Ah non, c'est toi qui as foiré. C'est moi qui t'ai pas reçu. C'est moi qui ai foiré. Fou la boule. Quel problème, Gobichou. Merci pour les chaussures. J'aime mes nouvelles chaussures. Arrête de te moquer de moi. Eh, hey, vous pouvez me déposer au parking s'il vous plaît parce que... C'est Gekuno au premier virage. D'accord, on te dépose au... on te dépose au commissariat. Voilà, allez, demain. A plus tard, 27. Non, okay. Vas-y, on te dépose au parking. Très bien, merci. On te dépose au parking, 27, reviens. Et il va changer. À moins que tu vas y aller voir tout nu. Vas-y. Y'a pas grand chose à voir, allez bien. Oui. Eh, hey, t'as la même tenue 42, allez. Tu dois bien t'entendre.
Non, je vais changer, je suis habillé comme un plouc. Mais il faut que je change, C'est quoi cette veste, tu l'as volée? Ouais, je l'ai volée à Fauzi, je crois. C'est une boutade encore. Il l'a volée à Merguez. Non, je suis habillé comme un plouc, je vais changer direct. T'es habillé comme un violeur. Ça, je dis rien. Oh là là. Punaise, mais tu connais bien les violeurs quand même. Hein. Bah. Ah, sur les avis de recherche, vie, hein, on voit que ça. Hein. Merci Razen d'avoir fait un sub entier à Karl. Et merci aussi Razen d'avoir fait un sub entier à Neo Slash pour son troisième mois. Bisous à toi. Merci pour ta générosité, c'est super gentil Razen comme t'es généreux ce soir. J'ai le droit de garder le silence. Et ouais. Bon, du coup, Trabzor, terminé silence, quoi. Merci pour ta générosité, Trabzor, en tout cas. Trabzor Zouf, l'important c'est de participer, hein. Bisous. Il va trop rager. Ah, j'en fous. Je vous aime, Pounzor. Vive là. Je suis d'accord avec toi. Après, tu fais une belle coupe de cheveux. Exactement, je vais être beau de ouf. Après, tu vas aller pêcher au 42. MDR. MDR. Peut-être que lui, tu pourras te faire lever, hein. Ça change de la barrière. Ah, on peut. Ok. Pardon. Il se fait déjà lever quand il se fait des accidents de moto. 42, à mon avis, tu peux le lever easy, hein. Ça. 9-2, easy. Un coup de fusil. 9-2, c'est où ça? C'est dans le. C'est dans le Népal, ça, 9-2? Non, 9-2, ouais, c'est. Sûrement. C'est un matricule de policier, il me semble. Non, c'est ton bled au Népal, tu m'avais dit, non? Bah, je sais qu'en France, parce que j'ai déjà parti en France et j'ai là-bas. Ah, je savais bien que t'étais français, t'as agi comme un français là. Je suis pas français. Bon, t'es né pas l'américain, t'as fait la guerre, mais t'as 35 ans, t'es né en 98 là, c'est bon. C'est bizarre ton histoire. Ah non, en fait, il est français, mais de Marseille. Non, archi faux. Je connais la France parce que je suis parti là-bas. En lune de miel, voilà. Paris, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'es marié avec qui, avant, avec ta main droite ? Après le conflit de 2014, là, je sais pas quoi, où t'as tué des gens, là, dans la logistique de la Navi, là. C'était avant, je te l'ai dit. Et t'as tué des gens avec quelle arme ? Avec tes gaz ? Alors, non, avec un lance-roquette. Pistolet à eau. Un lance-roquette, bah ouais, quel modèle ? Tire de roquette. Grosse quéquette, en effet, c'est un petit jeu de mots sur une musique qui est sortie aussi en France. On va se dire, on se barre 99 là, c'est pas un réflexe, mec, c'est chelou, hein. C'est pas un vétéran. Allez, bonne nuit 27. Bonne nuit 27. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Le mec, son roleplay, il est parti en sucette, quoi. Waouh, y'a plus que toi et moi, c'est chaud. Et en plus, c'est très calme en ville. 10-4. Moi, j'ai réussi mon parcours, je suis contente. Pourquoi t'as foiré? Je sais pas, je me sentais pas en meilleur de ma forme en plus de ça, donc ça m'a pas aidé. Je réussirai peut-être la prochaine fois. Tu te sentais genre impuissant, genre? Non, c'est pas ce point, pas de l'impuissance, mais plus gros coup de fatigue sur le coup. Ça y est, un gros coup de barre, c'est ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. J'en ai rien à foutre de ta pitié, Pronskipo. Il rageharde. Il peut pas en rester là, il rage, Trabzou, j'en peux plus. Ah mon dieu. Bisous, Trabzou, je t'aime. C'est pas de pitié, je te taquine, je t'aime. Il compte bizarrement le mec à droite qui ont le contrôle. Ah, regarde, c'est chelou là. C'est 27. Ah d'accord, ah oh, ouais. La conduite n'est pas l'aise là. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il revienne là? Il a dû peut-être oublier un truc. Je sais que tu rigoles. Bon, patrouille ou pas, je imagine, comprends pas il là. Prend son service. Ah ouais. Attends, on va voir ce qu'il va faire. Ça se trouve, il va reprendre son service et. 27 fin de service. Ah, c'est juste pour ça qu'il est revenu. Il a oublié sa radio, ce boulin. Ouais, mais au moins lui il a réussi son test de voiture. Ouais. Ah. Tu conduis 13 Non, franchement, vu ton niveau, t'as pas d'excuse, faut que tu t'entraînes, mon gars. Vas-y.
Vas-y, tu te la pètes, vas-y, conduis le VL1. Bah, je me la pète pas, hein, j'ai réussi mon test. Bon bah, deux secondes. J'ai fumé une clope et après on y va. Voilà. Bon, ouais, je prends ma fin de service, j'ai pas le temps. Hein. Ah là là. Bah, vas-y, à plus tard, enchanté 99. Hein. Enchanté 13. Bon courage, au revoir. A plus tard. Repose-toi bien. 10-4. Nicole 13, fin de service terminé. Bien pris 13, bonne soirée. 10-4, bon courage 67. Préparation du transfert de fonds. Ça y est, c'est piraté. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Ce don est pour Trebfouf. Offre-lui des mouchoirs de ma part, s'il te plaît, Trebfouf. Trebfouf. Oh, le respect, il est mort. Et Dark Connard, c'est un enfoiré, parce que... En plus d'être tyrannosaure sexuel, genre, il humilie son adversaire. Ça, c'est l'esprit Poons, c'est bien. En plus, t'es pas trop irrespectueux, je suis fier de toi, tu fais des efforts, Dark Connard. Le pauvre Trebzor. Oh là là, c'est chaud. Oh mon dieu, quoi. Oh là là. Merci, Darkonar. Bisous à toi, merci pour ton soutien. Et je t'aime, Trabzou, je t'aime, t'inquiète. C'est ma première ligne. C'est mon déco, là. On se barre. Hein. Merci à vous deux, en tout cas, c'est très gentil de votre part. Et du coup, ben, moi j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu un petit peu, cette petite session RP ce soir. Moi je vous retrouverai, je vous retrouve pas. En fait, c'est le dernier live, en fait. Puisque demain je ne pourrai pas streamer, jeudi je prends mon avion. Le 1er, le 2e et le 3 février, je serai occupé. Et je rentre le 4. Le 5, je vais essayer de restreamer le 5. Le 5 au soir, je vais essayer de live. Et le 6, je pourrais pas streamer, le 7, ah ouais. On se donne rendez-vous le 5. Préparation du transfert de fonds. Ça y est, c'est piraté. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Bon week-end. À bientôt, Darkonas Ponzeville. Je rentre le 5. je rentre le 4. Le 5, je vais essayer de live sans cam le soir. Parce que je pense pas que je serais coiffé, quoi. Du coup, on reprendra les lives avec la cam, je pense, le 7 février. Et on streamera jeudi, vendredi, samedi, dimanche. on essaiera de faire BF3. Je vais essayer, du coup, aussi de préparer pour voir la PS4, de re-essayer, de retenter. Et du coup, on fera peut-être un autre jeu. Et vous oubliez pas que mi-février, il y a énormément de sorties de jeux. Mi-février, les gens, vous allez me voir jouer à Far Cry The New Dawn. Vous allez me voir jouer au numéro 3 de Metro. Donc clairement, on a deux sorties de jeux qui vont vraiment arracher. Il y a d'autres jeux qui vont sortir auxquels on va jouer très prochainement. Et cette année 2019, on va essayer d'en profiter un maximum. Donc voilà, bon, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Je vous remets le générique de Lindsay. Et puis, on va peut-être host quelqu'un, parce que sur SS, ils sont gentils, du coup, j'ai envie de host des gens, parce qu'ils sont gentils, et c'est cool. D'accord ? Je vous aime, on se retrouve sur Discord. Elle était une jeune américaine, et se débrouillait seule dans son Montana natal. Mais elle aspirait à plus qu'une vie monotone et sans saveur. Inspirée par ses séries télé préférées, elle partit vivre à Los Santos pour suivre sa destinée. Devenir l'une des plus grandes flics de la Cité des Saints. Une patriote engagée pour traquer la criminalité. Une femme à double tranchant. Une justicière.